Bonjour, bonjour, il est 18h25 en ce beau mercredi 3 janvier, c'est Tom Nook qui vous parle. Ouais, c'est mieux, ok. Je suis désolée si vous avez sursauté, les gars. Merci Soria pour le follow, bienvenue. Merci beaucoup. Encore une journée où la morsure glacée de l'hiver vient percer son petit cœur frileux. Qu'en pensez-vous? Pas seulement, c'est aussi une journée idéale pour faire rayonner le doux sourire de Yetiti. C'est qui Yetiti? Merci Sirzeli pour le follow, bienvenue. Psyx, j'ai complètement oublié de faire ta commande, je vais la faire ce soir, c'est promis, vendredi tu l'as. Je suis désolée. C'est qui Yetiti? C'est un Yeti? C'est con, ma question est très con en fait. C'est aussi con que... Ok. C'est un bonhomme de neige. Ah, oh, Pépou, j'ai hâte. C'est un bonhomme de neige à fabriquer. Oh, je veux. Faut pas le rater. Comment ça, faut pas le rater? Tu m'as stressé. Hi, t'inquiète. Sinon, ça va et vous? Très bien, Loïc. Ça va, merci. Eh! Et regardez ma Sims. Ma Sims. Pff. C'est trop beau la neige. C'est trop beau la neige. Faut pas rater, sinon appuie sur B. De ouf. Eh! Regardez mon petit personnage. Franchement, je suis très contente. Hein. Bon, après, j'ai des trucs et tout dans les mains. Attendez, comment on court? Ah oui, il faut appuyer sur B. C'est où le Yeti? Merci M, la dame suivre. La dame à suivre, pardon. Bienvenue à toi. Oh my god, je savais pas que tu jouais à Animal Crossing. Bah, je débute, en gros. J'ai plein pas de tips. Je pense que je vais trigger plein de gens qui sont hyper doués. Je suis désolée. Faut que tu trouves des boules de neige. Ça, c'est des cailloux, ça. Faut trouver les boules de neige. Attends. Tu crois que je peux les trouver, là? Je suis désolée, hein, si je vous cringe et tout. D'avance, moi, je... Voilà. T'as deux boules de neige à faire rouler. Ah, waouh, ok. Oh, j'ai un habitant. Attendez, je veux pas le taper. Ok, c'est bon. Les deux à trouver sont souvent proches l'une de l'autre. Ok, je vais essayer de trouver ça. Yossissou, je t'avais pas croisé depuis un moment, t'étais retourné sur le continent. Comment? T'avais pas quitté l'île? Je m'entraîne depuis des semaines à la natation pour te rendre visite. Du coup, je sais plus comment s'appelle ce petit habitant. J'ai lui, du coup, c'est Calin. Et j'ai Vanessa, je crois. Je crois que j'ai Vanessa et lui. Salut, ma sœur est fan de toi, tu es son idole. Bah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Re, j'étais partie me chercher de l'apéro. Ah, bah, installez-vous bien. Vanessa, mon bébou. Mais oui, j'ai Vanessa et j'ai Calin, du coup. Merci, Rarity Mathilde, pour le follow. C'est gentil. Bah, attendez, je vais essayer de chercher les trucs. Je vais prendre la perche au cas où. Et merci, Orion, également, pour le follow. Bienvenue. Oui, c'est Vanessa que j'ai, moi. Comment je fais déjà? Ok, je fais comme ça. Il y a des flocons. On peut les ramasser? On peut les ramasser? Les flocons, là. Trop mignon. Ok, je cherche. Je cherche des boules de neige. Je précise de neige parce que... Attendez, faut que je creuse des trucs et tout. Je me rappelle pas de tous mes raccourcis sur la manette. Je suis désolée. Oui, avec le filet. Oh, trop bien. Alors, moi, j'ai encore un gros problème de visée avec ce jeu. Voilà. J'ai honte. J'ai encore un problème de visée où genre je sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas au bon endroit. Voilà, je... Non, ça va venir. J'ai honte. Il est où mon arbre à clochette? J'ai un arbre à clochette. Donne. Give it to me. J'ai 10 000 clochettes là. Comment on ramasse? Ok, comme ça. Tu vas t'y habituer. J'essaye, hein, mais... Complicado, hein. Salut Bubule, comment tu vas? Attendez, j'ai pas de filet si jamais je me fais attaquer par les abeilles. Abeilles que j'ai capturées. Filet, filet, filet. Attends, wait. Je veux. Slay. Eh ouais, mais j'ai un deuxième arbre. Viens. Viens, frérot. Comment? Viens. C'est quelle touche? C'est celle-là. Putain. Non! Tu peux mettre plus que 10 000 clochettes. J'avais que ça en option, je crois. Non, je suis nulle. Bon, je risque pas de trouver des machins trucs là, ici. Ça va de ouf, je cuisine une tartiflette PTDR et toi, bonne année. Bonne année à toi aussi, Bubule, moi ça va. Oh, oh, oh. Oh, oh, ça c'est l'arbre à clochette, ça. Attends, attends, wait. La dernière fois, j'ai fait une connerie, j'ai rebouché le trou, mais à une vitesse. Attendez, 2 secondes. Deux. Non, mais tu vois. Tu vois ou pas? Non. C'est pas possible. Mais c'est pas possible! Excusez-moi. Ouais, c'est bon la tartiflette, j'avoue. Ok, attends. Comment on fait déjà? Tu as déterré un sac de 1000 clochettes. Respire. Oui, je vais respirer, pardon. Non, c'est un live chill. C'est au calme. Attendez, je vais me mettre là. J'ai pas mangé de tartiflette, moi, ce mois-ci. Ni cette année, tout court. Enterré. Quoi? Non!
J'en ai marre. Attendez, attendez. Il faut que je... Attends, attends. Non. Non, c'est trop. Vas-y, casse-toi. Non, mais c'est bon, votre jeu, là. Attends, attends, je respire. Ok. C'est bon, c'est bon. Arrêtez de vous moquer de moi. Merci, Bubule, c'est gentil. Tes personnages... Ton personnage n'a pas de cheveux violets. Si, mais c'est foncé. Ok, c'est bon. Dis-toi que la carte, c'est une grille. Ah, c'est pas bête de se dire ça. Mais c'est compliqué quand même encore. Avec tout mon amour, évidemment, évidemment. Oui, je sais pas, j'ai mis ça. J'aurais dû enterrer 10 000, c'est vrai. Bah, c'est pas grave, j'ai fait nimp. Je vais Alt F4, je vais recommencer. C'est pas grave, c'est pas grave. Si voilà, écoutez personne. Je m'écoute moi-même, c'est déjà bien. Attendez. Choqué, déçu. Mais... Je cherche les boules, là. Je suis pas... Je suis pas concentrée. Si tu fais un 3 à côté, rebouche-le et mets-toi à côté. Ben j'essaye. Je te jure, vraiment, sans déconner, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec la visée. Je n'y arrive pas. C'est... Je ne sais pas. Je n'arrive pas à viser correctement. Je trouve que c'est pas très intuitif. Voilà. Genre, tu vois, tu te mets là. Ça va, c'est bon. J'ai déterré un fossile. Je vais pouvoir le donner à... Comment il s'appelle le hibou, là? Comment il s'appelle? Merci pour le lurk, Bubule, c'est gentil. Comment il s'appelle le petit hibou? Bibou. Tibou, voilà. Ok, donc... Mais il n'y a pas de boule de neige. Peut-être qu'il faut que j'aille parler à Tom Nook avant. Mon petit... Oh, c'est elles, sont là. Ok, faut que je les amène où? Faut que je fasse quoi avec ça? Oh. Oh. J'ai trouvé, mais je sais pas trop quoi en faire. Faut faire quoi? Les rapprocher? L'une de l'autre? Faut les faire rouler. Jusqu'où? Parce que c'est bien, mais... Un bonhomme de neige. Ben ouais, mais jusqu'où? Elles vont grossir plus je les fais rouler et plus... Mais attention, elles peuvent se casser. Ah! Ok, si je la fais rouler, j'imagine qu'elle va grossir un peu. Ok. Oh, bébou, c'est trop mims. Ok. Moi, je fais le tour, du coup. Si j'appuie sur B... Non, ça fait rien. Et coucou à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolée si j'ai pas dit bonjour à des gens. Merci Tartelette Abricot pour le follow. Sinon c'est bye bye, sérieux. Salut Safi. Oui après faut les faire se percuter pour créer. Ok, donc je fais ça. Lui je l'ai bien fait grossir je pense. Je pense hein. Eh doucement, doucement, doucement ma soeur. Regardez, elle lui donne des coups de pied comme si c'était son... Un ballon de foot, je suis pas d'accord. Ouais, j'ai réussi. Enfin, on se rencontre. Tu ne peux pas t'imaginer comme ça me fait plaisir. Déjà, tout petit flocon, je rêvais de te rencontrer, alors je me présente, je m'appelle Yetiti. Je ne serai pas éternellement sur cette île, alors je préfère autant m'amuser. Pour te remercier de m'avoir créé, j'aimerais t'apprendre à fabriquer un objet spécial. Regarde les plans de bricolage sur ton Nook Phone. Tu devrais trouver une table arctique. Normalement, j'offre ce genre de cadeau uniquement quand mon aspect est irréprochable. Aujourd'hui, je fais une exception, c'est mon anniversaire et j'ai envie de le faire, de faire le bien autour de moi. Ah, et prends ce grand flocon de neige, tu en auras besoin. Voilà, je l'ai mis dans tes affaires, utilise-le pour faire cet objet spécial. Alors pour rester positif, disons que la prochaine fois tu me feras forcément mieux. Il faudrait juste que tu fasses un effort immense pour respecter les proportions, d'accord? Ok. Donc là, j'ai un truc dans mon Nook Phone. C'est dans les créations peut-être? Non. Ah oui! Ok, je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez. Grand flocon de neige et un petit flocon de neige. Et du coup, je peux faire une table. Elle sert à quoi cette table arctique? C'est juste une table de décoration finalement? C'est Disney Dreamlight, mais sans Simba et Merlin, en fait, déçu. Pff, tu m'épuises. Tu m'épuises, Zouk Machine. Mais oui, c'est un peu ça. C'est une table de déco. Ok, c'est mignon. Après, moi, j'aimerais bien, genre, avoir des tips pour mieux décorer mon île, faire des choses, tu vois. J'aimerais bien. Ah, je vais aller au musée, attendez 30 secondes pour donner les fossiles que j'ai trouvés à Thibou. Moi, j'adore faire des vêtements sur le téléphone. Animal Crossing. Coucou, comment allez-vous? Bonne année. J'ai 1900 heures de jeu et tu recommences le jeu. Toi, t'as 1900 heures de jeu et t'as recommencé le jeu ou tu parles de moi? Moi, j'ai pas recommencé le jeu, je le commence tout court. Hein. Olaf, il a géchant purée. T'as vu ça?
Bienvenue dans le musée d'Inkotori. En quoi puis-je être utile? On va faire une expertise de fossiles. On va voir si il les a pas déjà. J'espère pas, en tout cas. Hop, tiens. Et tiens. Il a champuré. Hop. Salut Alix, comment ça va? Pour avoir des idées de déco, il y a Pinterest. Ah oui. Bah je regarderai grave. Je ne vois que... C'est une très belle surprise. Tu as un don pour dénicher des fossiles. J'espère maintenant que ta générosité sera à la hauteur de la grandeur de l'établissement. Merveilleux. Moi, je veux bien te les donner, du coup. Moi, j'ai plus de 3000 heures et j'ai commencé il y a plus d'un mois. Ah ouais! Il y a plus d'un mois? Et t'as déjà 3000 heures de jeu? Je peux faire une donation ou ça a été donné, du coup? Ouais. On va donner ça. Et on va donner ça. Donc ouais, ouais, non, moi je commence, franchement, c'est la quatrième fois que je fais du Animal Crossing et je suis vraiment très 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 novice. Hein. Comment tu as fait pour avoir un sac aussi grand? Je l'ai pris avec mes Miles Nook. Bonne année Alixou. On appuie sur quelle touche pour le bonhomme de neige? J'ai pas appuyé là, j'ai juste avancé. Tu penses live jusqu'à quelle heure? Je sais pas du tout. Salut Mimi, comment ça va? En ligne, tu peux récupérer des meubles que tu n'as pas grâce à d'autres îles joueurs. J'en suis pas encore là, je peux pas aller visiter les îles des gens et tout. Je peux rien faire encore pour le moment. Sur Animal Crossing, il y a une strat... Il y a une... Attends. Il y a une strat d'une youtubeuse connue, mais il faut avoir 17 Switch. Tu parles de laquelle? Est-ce qu'elle serait pas dans le chat par hasard? Elle en a pas 17. Après, si tu veux, Zouk Machine, m'offrir une deuxième Switch, j'ai pas de problème. Hein. J'accepte. Salut Nono, bienvenue dans le chat. Et coucou sur TikTok. Elle en a 14, c'est déjà bien. À part s'il me parlait vraiment d'une youtubeuse qui avait beaucoup, beaucoup de Switch exprès. Parce que, alors, moi, ce que je comprends pas, c'est comment c'est possible que tu puisses pas faire une nouvelle partie en plus de la partie que t'as. Genre, plusieurs parties différentes, c'est hyper dommage. J'en ai que 3. Ne me dis pas que t'as pris les 3 pour Animal Crossing. Genre, vraiment, premier degré. On peut une Switch, mais pas 15. T'imagines? C'est trop nul ça. Bah si, mais purée. Bah en plus, toi, t'es créatrice de contenu sur Animal Crossing. Au bout d'un moment, si t'as besoin de te réinventer et proposer du nouveau contenu et faire d'autres choses, bah tu vas pas péter toute ton île et la recommencer. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Je peux comprendre, mais ça veut dire que stratégiquement, t'es obligé de... Stratégiquement, c'est même pas stratégiquement, c'est juste par souci de créer du contenu et même te faire des games sympas et tout, on te fait racheter une Switch. Vous vous rendez compte du truc quand même? Le jeu, déjà, il coûte 60 balles. La Switch, elle coûte 400 balles. T'es obligé de racheter une Switch. C'est horrible, en vrai, quand tu réfléchis comme ça. On peut deux Switch, mais pas 15. Non, mais 15 Switch, t'imagines un délire comme ça? On peut 3 Switch, mais pas 15. Ah, mais ça y est, mais ils vont commencer les modos, là. Moi, j'aide beaucoup de gens qui sont au début du jeu. J'ai des plans, cailloux, bois, clochettes, etc. Mais c'est bien, en vrai. Sachez que j'ai créé un salon Animal Crossing bah, quand j'avais commencé. Du coup, donc si vous voulez rejoindre le Discord et que vous l'avez pas encore fait et que vous avez des tips et tout à partager là-bas, allez-y. Je suis pourri gâtée. Après, j'ai une Switch pour mon Let's Play YouTube uniquement et deux autres pour Twitch et YouTube. Oui, mais c'est normal, c'est pour créer du contenu, tu vois. Genre, ça me semble logique, mais je trouve que quand même, c'est... Enfin, faut payer 3 Switch, tu vois. Et j'ai mon île de cœur, impossible de la reset. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça pour tout le monde. Même Mister C, il est dans ce cas-là. Où il a son île et tout, et il faut surtout pas la détruire. Parce que j'ai le sentiment qu'une fois que t'as fait ton île et tout, t'es tellement content et t'as tellement bossé dessus, tu peux pas revenir en arrière. Salut Manon, comment tu vas? Ça va et toi? Vous parlez de quoi? On parle d'Animal Crossing, du fait qu'on peut pas avoir en fait plusieurs parties différentes sur une même Switch et que bah, c'est un peu nul en fait de pas pouvoir avoir la possibilité de faire plusieurs parties. Genre Stardew Valley, tu peux même sur Switch? Est-ce que sur les Sims, tu as partagé la maison de Lilo? Non, pas encore. Plus que 1000 balles. Plus de 1000 balles, quoi. Bah ouais, de ouf. Surtout que je suis en plein objectif 100% sur le jeu et que je suis bientôt à la fin. Ça fait 4 ans que je suis dessus. Objectif 100%, ça veut dire quoi? Tu fais 100% de toutes tes collections, 100% du musée, des trucs comme ça? Putain, tu m'étonnes si ça fait 4 ans que t'es dessus. T'imagines? J'ai plus de Switch, j'ai perdu ma game. Oh, les boules, mon dieu. Il faut une autre Switch et un autre jeu. Si tu as que deux Switch, ça va reprendre ta partie. Hein? J'ai pas compris. Il faut une autre Switch et un autre jeu. Si tu as que deux Switch, ça va reprendre ta partie. Comment ça?
C'est une... Quoi ? Il te faut deux Switch et tu rachètes le jeu une deuxième fois ? Non. Oui, 100% des cartes Miles, tout le catalogue d'objets, de jeux, de musée, tout ça. Mais mon Dieu, et ça fait 4 ans que t'es dessus ? Mais c'est énorme. Mais non. De quoi non ? J'essaye de vous suivre 100% des meubles musée Miles et tout. Ça doit être si dur. Tu peux avoir deux Switch et une cartouche. Ah ! Bah voilà ! Ça me rassure déjà un petit peu. Tu peux transférer les îles entre deux Switch, oui. Ok. Je fais la même. Toi aussi ? Eh bah bon courage à vous. Vraiment, je savais... Mais tu joues en ce moment Animal Crossing, toi, Safiche ? Je savais pas. Je savais que tu y avais joué, mais je savais pas que t'avais... que tu continuais. Ah oui, si tu remets le même jeu dans une autre Switch, ça reprend ta game, non ? Bah, Quen dit que non. Donc, apparemment, pas forcément. Juste, tu pourras pas faire jouer tes consoles ensemble si t'as une seule cartouche. Ah, ok, j'ai compris. Oh, ouais, mais c'est tout un micmac. Ça fait 6 ans et je dois recommencer mon jeu parce qu'il y a personne. Il y a une personne que je connais pas. Et ça fait. C'est-à-dire, il y a une personne que tu connais pas. Tu peux aussi prendre des colocataires sur ton île. Oui, pareil, mais tu peux carrément te faire un village. Hein. Le jeu est sauvegardé sur la console. Oui. Oui. Donc, c'est bon. Salut Claire, comment vas-tu ? Bah c'est bon, alors si le jeu est sauvegardé sur la console, quand tu as une cartouche, tu l'installes dessus et bam, tu te fais une nouvelle partie. Je crois. Bon, après, je suis pas très connaisseuse non plus. Je suis en train de farmer là parce que au moins ça me permet de parler avec vous. Attends, j'ai plus de place dans mon inventaire, j'ai l'impression. Pas du tout. Pourquoi je peux pas le ramasser ? Allô, bonsoir ? Bonjour ? Oui, ça va, merci. Parce que j'appuie pas sur le bon bouton, bien évidemment, si Sourine, c'est superbe. Salut Malo, comment vas-tu ? Mais moi, je joue plus que ma sœur. Mais c'est elle, la chef de l'île. Ah, vous avez la même game toutes les deux, c'est marrant ça. C'est Y. Ouais, mais j'ai encore, je vous dis, les automatismes d'Xbox. C'est horrible. Elle m'a pris la partie, elle m'a piraté ma Switch. Mais comment ça ? Comment c'est possible ? Ah, j'ai plus de place. Je vais aller vendre. Je vais laisser tomber. Attendez, je vais aller vendre un petit peu pour me faire des clochettes. Qu'est-ce que vous me conseillez de garder dans mon inventaire ? Est-ce qu'il y a des choses indispensables à garder pour des prochaines... je sais pas, des prochains objectifs, des trucs à faire ? Comment ça, on t'a piraté ? Les outils, je garde. Oui, ça, oui. Mais genre, tout ce que je viens de ramasser, là. Emma, merci pour le follow, bienvenue. Je peux venir sur ton île et tout. Merci pour les follows sur TikTok, j'espère que vous allez tous très bien. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, on est en live là-bas en ce moment. Que puis-je faire pour toi ? Achète-moi des trucs. Bois pierre, faut garder. Oui, j'ai coffré dans l'inventaire de ma maison. Mais ça, je peux vendre du coup, genre les oranges. Je suis obligée d'en garder ? Rien en vrai. Ah ouais, tu penses ? Les peignes, les machins et tout, ça, je peux vendre. Les glands, je crois qu'il fallait que je garde. Sinon, tu entreposes tout et ça te suffira. Mais j'ai envie de vendre quand même des choses pour me faire un petit peu d'argent parce que c'est utile, tu vois. Mais après, je me dis tout ce qui a à dispo pour crafter, genre bois, pierre et tout, je garde. Tu peux vendre les fruits, ok. Donc les poires aussi. Et tout ce qui est bois, charbon et tout, je garde, tu vois. Les glands, je vends. bon, je voulais travailler en restant sur le live, mais je me marre trop, alors je passe en lurk. Bonne soirée à tous. Des bisous, Marguerite. Des bisous, merci pour le lurk, c'est gentil. Oui, tu peux vendre les fruits, tu as planté des poires pour être sûr d'en avoir. Il me semble que oui, j'en ai planté. Ouais. Oui, les glands, ok. Les fruits, ça repousse, ça va. Je vends ça, alors. Ok, voilà, je peux te racheter 11 100 clochettes, trop bien, marché conclu. J'appuie tout le temps sur B. Tu peux en retrouver rapidement du bois. Ouais, bah oui, en pétant des arbres et tout. C'est horrible ce que je dis. La faune et la flore, enfin, si sourine. Miles Nook, attendez, il y a ça aussi là. Faut pas... Faut que je me mette à fond dessus. J'ai obtenu des bonus apparemment, mais... j'ai obtenu des trucs là aussi. Ah oui, là. J'ai des trucs ici. Hop, ça je vais récupérer. On est riche, on est pas mal. Déforestation, non. J'ai gagné ça. Ahem, pourquoi tu fais ahem, Psyx ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un chat dans la gorge ? Alors, si je peux te donner un conseil, c'est de garder toutes les ressources pour plus tard. Le bois, pierre, fer sont importants pour le développement de ton île. Ok, je prends le conseil et du coup, je vais aller coffrer ça dans ma maison. Ça marche, merci. Merci pour vos conseils, vous êtes trop gentils. J'espère que... En fait, il y a des gens qui m'avaient dit la dernière fois que ça leur faisait grave plaisir de voir une personne qui commençait le jeu. Tu me foudras.
On peut plus. Mais qu'il y avait des gens, tu vois, qui étaient contents de voir qu'il y avait des personnes qui commençaient vraiment le jeu depuis le début et tout. Mais du coup, j'ai tellement peur de trigger des gens qui tryhardent le jeu depuis super longtemps et qui sont en mode mais putain, mais regarde ce qu'elle est en train de faire et tout. Du coup, je suis désolée de pas avoir encore tous les réflexes. Voilà, ça va venir. Maman m'a envoyé un message pour accueillir la nouvelle année sous les meilleurs auspices. J'ai décidé de me trouver un hobby, ce qui me fait penser que si ma créativité était une fleur, elle serait en train d'ouvrir ses pétales. C'est si beau. C'est trop mims. Done, dans ma poche. Merci Roxy pour ton follow, c'est gentil. Bienvenue. AJD, c'est quoi AJD déjà? Académie des joyeux décorateurs. Point 5538, rang B. Félicitations avec tous les meubles que tu as rassemblés. Tu dois commencer à vraiment te sentir chez toi. Pas du tout, absolument pas. Mais done, y a pas de problème. Oh non, avec les cadeaux pourris là. Pourquoi tu dis qu'ils sont pourris? Moi oui, ça fait trop plaisir de voir de nouvelles personnes découvrir. La découverte du jeu est tellement agréable. Mais moi je m'amuse bien, tu vois. J'ai ma robe de princesse Peach. Oh, attends, done. Mais c'est vrai que j'avais commandé ça la dernière fois. AJD, c'est les gros harceleurs. Pourquoi? Attends, elle est où ma robe? Attends. Là, j'ai mon cadeau, déjà, pour commencer. C'est quoi? Arbre à chat, trop mims. Et là, j'ai un cadeau, c'est quoi? Tableau peint par maman. Oh, j'ai hâte de voir. Ciseau Peach, mais de ouf. La kawaii girl. Robe de princesse Peach. Portée. Vas-y. Toutes les semaines, il t'envoie des lettres. Oh my god. Regardez, je vous en supplie. Non mais je vous en supplie. J'ai une Sisu Queen moi aussi, hein. Eh. C'est honteux, on arrive sur une île, on détruit tout et on s'approprie l'île. Heureusement que c'est qu'un jeu. Oui, heureusement. L'arbre à chat, c'est pour Kaline. C'est clair, on peut avoir des chats, des animaux dans... J'allais dire dans les Sims, dans Animal Crossing ou pas? On peut. On dirait elle avec une torche. Elle est pas trop belle. Avec le feu derrière. Oui, j'avoue. Attendez, j'ai encore un courrier là? J'avais même pas capté. C'est quoi? Comment se passe ta vie sur l'île? Bah, ça se passe. Merci, Maros. Et toi? L'académie des. Ouais, tais-toi. Et j'ai la banque. Oui? La banque, nous, qui est heureuse de veiller sur ton épargne. Bande de rats. Oh, elle arrive pas à mettre des kappas. Il y a surtout cette belle emote kappa. Elle est belle, hein, mon emote sac en vrai, hein. C'est elle, Kaline, c'est une femelle. Salut Anémone. Non, par contre, si tu cliques sur l'arbre à chat, tu entends un chat miauler. C'est vrai? Attendez, je vais essayer. Si tu peux mettre... Ah, vous êtes en train d'échanger vos codes sur TikTok? Allez-y, en fait, vous plaisez en vrai. Hein. Comment on allume la lumière déjà? Pas comme ça. Comme ça. Oui. L'inventaire, c'est par là. Et du coup... Attends, non. Faisons les choses dans l'ordre. Concentration. On va entreposer, voilà, parfait. On va entreposer tout ça. Il y a des raccourcis de touches ou pas? À part la touche B, j'ai compris. On est venu me harceler pour le B. On m'a hurlé dessus. On a dû ban la personne. Pauvre personne. C'est devenu un running gag. Alors fais gaffe avec la commu TikTok à CNH, c'est invivable MDR. C'est vrai. Coucou TikTok, vous allez bien? Là, ça va, on dirait. Ils s'échangent des codes. Mais n'hésitez pas à rejoindre sur Twitch, hein, les guys, hein. Si vous êtes des gens sympathiques et gentils. Oh, merci Loïc pour le sub offert à la Noélie. C'est très, très, très sympa. Merci beaucoup pour ça. Merci. N'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat, s'il vous plaît. Tunique d'homme. Ça, je peux poser au mur. Yeah. Placer, c'est quoi, placer? Ah, d'accord. OK. Merci beaucoup. Elles sont trop belles, tes emotes. Quoi, d'ailleurs, j'ai pas fait encore le truc, tu sais, que tu m'as envoyé pour le chat. Bon, j'assume, hein, je copie la meilleure, en fait, voilà, je vais prendre, elle m'a envoyé le même truc de son chat, bon, je vais pas faire exactement la même chose que toi, hein, parce que je vais mettre mes couleurs et tout, mais c'était tellement beau, du coup, c'est trop gentil que tu me l'aies donné, il faut que je télécharge, d'ailleurs, Stream Elements, c'est ça, je crois, Stream Elements, je l'ai pas, faut que je le fasse, mais copie avec grand plaisir, mais t'es trop mums. Ah, moi, chat, attends, je suis mal placée, parce qu'il faut que je me place au bon endroit avant. Ce poisson là-bas, il me... Vous devez regarder ma maison là en vous disant... Mais qu'est-ce que c'est ? Placé. Vas-y, mets-toi là pour voir. Oh waouh ! Et du coup, si je clique dessus, il y a un chat qui miaule ? Non mais comme par hasard, Loïc qui offre un sub à Miaou, c'est trop mignon ! Merci beaucoup. Coucou, tu joues depuis combien de temps ? Bah, c'est le 4e stream que je fais sur Animal Crossing. Donc en vrai, j'ai dû jouer... même pas 10 heures sur le jeu, tu vois ? C'est la première fois. Et si je vous lis pas sur TikTok, je suis désolée. Hein.
L'arbre à chat, la moulaga. C'est trop ça. Sisso, toi qui es la voix de la sagesse, tu me conseilles McDo ou sushi? Sushi, tu sais très bien. Tu sais très bien, sushi. Franchement, Lilou, tu vas te régaler plus avec des sushis. En plus, je sais que t'adores ça. Donc, vraiment, sushi fort, fort, fort. On m'avait passé quatrième. Eh ouais, le classement, forcément. Attendez, il faut que je me mette comment? Salut, Elherba, comment tu vas? Faut pas que je me mette comme ça. Je crois qu'il faut juste que je me tourne là. Si j'essaye. Non, c'est pas bon, McDo, les amis. Il est beau, le tableau! Bon, ma maison ressemble vraiment à mon gros orteil, mais c'est pas grave. Voilà. Moi, 160 heures. Mais c'est bien, en vrai. Tu nous as fait des churros quand j'en veux. Tu nous fais des churros quand j'en veux. Mais est-ce que je sais en faire? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je sais faire des churros? Telle est la question que tu dois te poser. Moi, c'était hier, sushi. Nous, on a mangé des sushis avec mon papa quand il était là. La semaine dernière, du coup. Team McDo, j'aime pas sushi. Moi, j'aime pas du tout... on en a déjà parlé, mais fast-food, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. McDo, ça m'arrive d'en manger, mais honnêtement, j'avais déjà passé plus d'une année sans en manger. Ça m'avait pas du tout manqué. Et là, du coup, en 2023, j'ai dû en manger 5 fois. Et pour moi, c'est vraiment trop. Et vraiment, pas par envie, mais parce que t'as pas le choix quand il faut manger des trucs super rapides et tout, et que t'es entre deux trucs, tu vois. Mais franchement, sushi, les gars. Et bon appétit à ceux qui mangent, d'ailleurs. Et ceux qui se préparent à manger et tout. Ok, donc je vais continuer un petit peu de farmer. Moi, je veux bien des petits conseils. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire là maintenant pour améliorer mon île? Genre, est-ce que je dois farmer? Est-ce que je dois couper du bois? Est-ce que je dois ramasser tout ce que je trouve un petit peu partout et coffrer? Je veux bien des conseils. En vrai, voilà, ce genre de conseils-là, j'adore. Il n'y a pas de souci, vous pouvez m'en donner, mais avec grand plaisir. Merci Charlotte pour le follow. Et merci AzK60 pour le follow également. Bienvenue. Ah oui, moi, ça fait 10 jours que j'ai commencé. Mais c'est parce que tu dois avoir le temps de jouer. T'as de la chance d'aller voir Tom Nook et faire ses quêtes. Ah ouais? Genre là, ce que je suis en train de faire, ça sert strictement à rien. J'ai vu que tu devais faire la boutique. Oui, apparemment, j'ai une boutique à faire et tout. Attendez, je veux juste ramasser encore un peu et je vais faire ça. Parce que j'ai pas d'échelle. Je sais qu'il me faut une combinaison également pour pouvoir aller dans l'eau aussi. Mais en fait, c'est chiant, mais je comprends maintenant. Mais je comprends. Est-ce que les gens qui jouent à Animal Crossing souvent, ou même que vous soyez streamer, créateur de contenu, youtubeur et tout, peu importe, vous jouez à Animal Crossing la journée exprès pour le temps? Parce que là, c'est vrai qu'il fait nuit. Hein. Non, ça sert pas à rien, c'est toujours ça de prix. Ok. Merci, madame. Si soit on a la même coiffure dans le jeu, c'est vrai. Bah, j'ai pas beaucoup de... Merci. J'ai pas beaucoup de coiffure et tout. J'avais acheté la dernière fois, j'avais pété un câble avec les Miles Nook. J'ai dit, je m'en fous, je veux absolument, mais... Ah, mais j'ai une pelle rudimentaire, il faut que je la place, celle-là aussi. Je veux absolument changer de coiffure, j'en ai marre. Coucou, je viens te découvrir, courage pour le début d'ACNH. Merci Charlotte, bienvenue à toi. Moi, je joue la journée. Ouais, c'est ce que je fais. Ben ouais. J'ai pas forcément envie de changer l'heure du jeu, là. Mais je pense que la prochaine fois qu'on jouera Animal Crossing, on fera ça en après-midi ou quoi. Je pense que ça sera le mieux, tu vois. Vous time traveler, mais je l'ai fait avec vous, rappelez-vous, pendant un stream. Mais en fait, finalement, on m'a conseillé de pas forcément trop le faire parce que c'est un peu dommage, quoi. Ça fait depuis samedi que je te suis en regardant tes rediffusions et franchement, j'adore être sur tes lives. Merci, Elwin, c'est gentil, merci. Ok. Dac, merci. Mais c'est insupportable, regardez. C'est grave insup. Non, je veux pas ça. En fait, dès qu'elle a ça dans sa main, c'est chiant. Donc, je vais garder ma perche, tu sais quoi. J'adore tes cheveux. Merci, vous êtes chou. Je joue le soir. Ah ouais? Vous aimez bien le soir? Je trouve que la journée, c'est joli, en vrai. On va essayer de se choper ce truc-là. Dac, merci bien. Non, mais j'arrive pas à viser. C'est trop. Je troll. Je suis la trolleuse originelle. Attendez, c'était quoi le raccourci déjà? C'était ça, sinon. Tu peux fermer, cultiver, faire des objets qui pourront te faire avancer. Oui, je me doute. Un petit peu. C'est le même schéma sur plusieurs jeux. Hein. Je sors de mon lurk. Mes parents m'avaient acheté le jeu. J'avoue que j'ai joué 4-5 heures et j'ai perdu l'envie d'y jouer MDR. Pour quelle raison? Ça m'intrigue. Je veux savoir pourquoi. La semaine, le soir, je regarde les vidéos que tu as postées. Ben, c'est gentil de regarder mes vidéos, merci. Non, mais j'arrive pas à choper ces flocons. Je suis la trolleuse du monde, quoi. Ok, enfin. Coucou, pour changer d'objet, pour l'appel, etc. Tu peux faire avec les flèches de la manette. Ben, c'est ce que j'ai essayé de faire il y a 2 secondes. Mais en fait, je trouve ça chiant parce que je connais pas l'ordre de mes trucs. Du coup, je suis en mode flemme.
Moi, je joue par période. Ok. Tu peux faire une décoration de flocons si tu veux avec l'établi de Tom Nook. Il faut 4 flocons, tu peux attraper avec le filet. Ok, je vais voir. Oura, tu as attrapé un flocon. Eh, hey, t'as vu? Note bien. Hein. Attendez, faut que je fasse pas ça. Trop de contraintes, les clochers. Quoi? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée dans le trou? Ah, mais on peut tomber dans un trou? Mais je savais pas! Elle était en train, ma manette, elle vibrait comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Tu peux tomber dans un trou? Mais je savais pas. Attendez, moi, il faut qu'on me réexplique la technique pour pas pour les cailloux, là. Avec la pelle, machin, truc. Mais je savais pas qu'on pouvait tomber, les cœurs. Attends. Genre, on m'a dit de faire des trous et me mettre au milieu, je sais pas quoi. Donc, en gros, je me mets là. Je fais un trou là. Attendez. Un trou là. C'est ça, hein? Attends. Essayons d'être méthodique et logique. Et ça. Et après, tu prends apparemment ta hache. Vous vous êtes moqué de moi. Et c'est parti. Et comme ça, elle recule jamais. Mais elle est pas, elle a quand même pas de rythme, hein. C'est ça qu'il fallait faire? Combien de coups tu donnes à tes... Non, arrête. Ah, dans le Nook Phone, c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Bébou! Elle est trop mems. Merci Mélanie pour le follow, bienvenue. Ah, je croyais vous parler de la carte qui était en bas à droite de mon écran. Tiens, Sisu, ça fait un petit moment que je t'avais plus vu. 4 semaines à la louche. Oui, ça fait 4 semaines que j'ai pas joué. Ça roule, tu commençais à nous manquer, toute l'île parle que de toi. Du coup, moi y compris, j'ai pas honte de l'avouer, je suis super joyeuse de te voir. Elle est trop mimi. Elle est trop chouette. Ils ont pas des cadeaux pour nous et tout, des fois, les habitants. Grande nouvelle, j'ai mis la tente au placard et j'ai chopé une turne digne de ce nom. Ciao. Pourquoi tu vas reset ton île, Mélanie? T'as des milestones qu'à récupérer dans le téléphone. Très probablement, les gars. Me stressez pas, s'il vous plaît. Juste ça. Zen. Je suis pas pressée. Moi, je suis très chill. Hein. Zen. On va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Moi, j'aime bien faire les choses étape par étape. Tranquille. Zen. Alors, on finit d'abord... Coucou, Lisa. On finit d'abord cette histoire de... Hop. De bois, là. Et on est bon. Alors, on a dit... qui me manquait, du coup. Là, j'en ai 22. Donc, bois et bois tendre. Bah, je suis obligée de défoncer des arbres, alors. Ça va, et toi, Lisa? Écoutez, je vais défoncer des arbres, hein, tant pis. Je crois que c'est 2 coups, sinon ça se pète, c'est ça? Tu me donnes envie d'y rejouer? Bah, allez-y, rejouez. Merci, Aïe, pour le follow, Aïe93. Et merci Lydie pour le Prime et le 16e mois. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. J'aime plus trop mon île. Je vais faire un nouveau thème kawaii rose et blanc. Oh. Sympa. Hop. Ok. Là, j'ai récolté quoi? Ok, j'y suis presque. J'ai du bois. Le bois tendre, j'en ai pas beaucoup pour le moment. N'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, plein de seum dans le chat. Je peux aller jusqu'à 3 coups? Ok, merci. Je veux pas faire tomber l'arbre, en fait, c'est pour ça, tu vois. Je veux pas l'abattre. Ouais, je sais qu'avec la hache rudimentaire, tu casses pas les arbres. Moi, je fais thème tropical. Moi, je veux un thème japonais. Donc, apparemment... Oula. Oula, la visée encore. Je vais être servie. Ouais, je vais prendre la hache rudimentaire, alors. Coucou Baptiste, t'as raté, je sais pas ce que t'as raté. Je sais pas depuis quand t'es parti. Pourquoi je... Elle est où ma hache rudimentaire? Je l'ai pas sur moi? Pourquoi je l'ai pas sur moi? Pas sûr de percuter là. Hop. Et hop. Oui, t'as pas raté grand-chose, du coup, Baptiste, je pense. Des pierres... De pierres par rudimentaire. J'ai vu la vidéo Barbie, elle est trop bien. Merci. Contente qu'elle vous plaise.
Mais j'ai pas encore l'upgrade, le nouvel upgrade pour ma hache et mes autres objets. Là, en gros, on a les 30 ici. Il me faut encore du bois tendre. Et après, on fait les pépites de fer. Et on aura normalement la boutique. Fait farm, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Hop. Faut signer le règlement quand vous arrivez sur le Discord, les gars. Et bien lire ce qu'il y a écrit dans le règlement, justement. Tout est expliqué pour voir les salons, comment ça se passe et tout. N'hésitez pas à tout bien lire, les gars. C'est important. Comme ça, vous savez exactement le mode de fonctionnement du Discord et vous n'êtes pas perdu. Donc, si vous voulez le rejoindre et que vous ne l'avez pas encore fait, allez-y. Vous avez un salon ACNH. Du coup, il vous suffit de cliquer sur le rôle Animal Crossing pour pouvoir voir le salon correspondant, les gars. Voilà. J'ai regardé dans ma boîte, il n'y a rien. Ma boîte, elle est vide. Hop. Ok. Donc là, normalement, on a tout, je pense. Ok. On a tout ce qu'il nous faut. Je vais aller lui donner direct. Et après, je vais faire les pépites de fer. Et on aura la boutique. Ça, c'est cool, tu vois. On va se faire ça. En tout cas, je suis contente que vous soyez là. Je passe un excellent moment avec vous. Je voulais vous le dire. C'est important de dire quand c'est cool aussi. Bon appétit à ceux qui vont manger. Ok. À propos du magasin. Parfait. Je vais lui donner les matériaux. Ouais, je l'aurai demain. J'ai des matériaux. La première fois que j'ai joué à CNH, j'ai tué tous les arbres. J'étais énervée, je crois. Bah alors, Psyx, enfin. Merci Azunella pour le follow, bienvenue. Bah, on va devoir le faire. Hein. Moi, je veux avoir la boutique. Tu n'as pas encore mangé. Ouh, il est tôt pour moi. Moi, je mange très tard. Hein. Tiens, cadeau. Ah, tant mieux, la fan de Sissourine. Moi, je suis quelqu'un qui mange tard de base. Donc, 19h30, j'ai rarement faim à ces heures-là. Ah, j'ai reçu un vêtement, apparemment. J'ai reçu quoi? Non, pas de pub autorisée Dark Elias. On a un sol palissandre et on a une jupe longue à boutons. Trop mems. Donc maintenant, il nous manque les pépites de fer. On a la... Ah ouais, mais attends. Non, ouais, c'est avec la hache que tu pètes ça. Attends. Je vais voir. Oui, ok. Moi, je m'en fous de taper comme ça et de reculer, je vous avoue. Moi, je vais avoir juste mes trucs. J'ai plein de miles... de clochettes, pardon. Eh ben, dis donc, c'est quoi ça, là? Go casser des cailloux. Bah, on va faire ça. On va casser des cailloux. Pour ensuite gagner... cette boutique. Ouais, j'ai eu un rocher à clochette. Trop contente. Attendez, je vais voir un truc. Je vais faire ça. Parce que sinon, je vais zapper. Je me connais. J'ai Vanessa et Calin comme habitants. Pour les pépites, il faut taper sur les rochers des endroits auxquels tu as accès. Il y en a 5 après. Il faut aller sur l'île mystère avec le ticket Milestone à l'aéroport. Je peux pas encore me déplacer, je vous disais. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas de possibilité de me déplacer. Ah, j'ai gagné des trucs. Je live 5 fois par semaine. Vous avez le planning sur mes réseaux sociaux. Et vous avez le planning sur le Discord. Là, le prochain live, c'est vendredi. On sera sur les Sims tout le week-end. Mon emploi du temps, c'est sur les réseaux sociaux et Discord. C'est pas avec le online. Ben moi, j'ai pas encore eu des infos sur les aéroports et tout. On va un peu trop vite en besogne, non? Bébé Topédie, Osef. Et là, c'est ça la carte, du coup, dont vous me parlez tout à l'heure. Ok. Ouais, mais du coup, vous voyez pas mes habitants. Je sais pas si là, vous allez voir. Même pas. Vous voyez même pas très bien. Faudrait que je bouge ma caméra de ma Switch. Attendez, si je bouge comme ça, peut-être que là, vous allez les voir. Hop. J'ai du coup Calin et Vanessa. C'est eux, mes petits habitants. Et sur Twitch, dans onglet calendrier. C'est Tom Nook qui te le donne. Ouais, ouais, j'ai pas encore eu hein, pour le moment. J'ai encore rien eu. Tu débutes sur Animal Crossing? Oui, tout à fait. C'est quoi ça déjà? Mais pourquoi il y a vraiment des habitants qui sont pourris dans Animal Crossing? Parce que j'ai l'impression que c'est souvent une question qui revient. Genre c'est qui tes habitants et tout, machin. J'ai l'impression que des fois il y a des habitants qui sont vraiment nazes.
Je cherche des rochers, des cailloux. Faisons déjà les cailloux, là. Allez, ça part. Mais j'ai pas de pépites de... Ah, enfin, des pépites de fer, s'il vous plaît, donne. Donnez. Moi, je suis une streameuse Sims 4, les gars. Avant tout le reste. Donc, je vais toujours faire plus de Sims que de du reste. Mais d'habitude, je fais même encore plus de Sims. Mais là, je change. Et on a le sub-bâton la semaine prochaine, le 13. Du coup, on va pouvoir se faire des trucs cool. On va pouvoir se faire du Disney Dreamlight Valley et tout. Est-ce que t'aimes Manu? Je connais pas Manu. Je suis réellement en train de me découvrir une passion pour la salle. Genre, oh my god, je m'y attendais pas. Je pensais juste pas être fait pour ça. Et avoir à me forcer de fou. Mais en fait, mais c'est trop bien la salle de sport. Enfin, la salle de sport. C'est trop bien de faire du sport. Et de trouver le sport qu'on adore, tu vois. Salut la rumeur, bienvenue. Et merci Amy pour ton follow, bienvenue. Combien j'en ai là? Mais ça va être long d'en avoir 30 des pépites de fer. Ça va être giga long. Ouais, j'avais compris que tu me parlais d'un habitant. Ok. Salut Léa, y a pas de soucis, comment vas-tu? Normalement, tu peux pas avoir 30 pépites le même jour. Comment ça? Comment ça, je peux pas avoir de pépites comme... comment ça? Mais moi, je n'ai pas de truc pour voyager, les amis. Hein. Vous me parlez de ça? J'ai même pas 10 heures sur le jeu. J'ai fait nimp. Encore. Again. Enlève ça. Astuce, tu peux donner 8 coups de hache dans les rochers en creusant 3 trous derrière toi avant de taper. Ouais, on m'avait dit. Mais déjà que j'ai du mal, tu sais. Change l'heure. Je veux pas. Ok. Parce que là, votre aéroport, il est où, là? C'est beaucoup trop tôt, encore. Je peux rien faire avec l'aéroport. Je pense, hein. Attendez, on va y aller. Bonjour. Il y a un truc à faire ici. Bonsoir. Salut, salut. Bienvenue dans notre porte d'accès vers les cieux bleus, l'aéroport d'Inkotori. Très heureux de te rencontrer. Moi, c'est Maurice, personnel au sol de la Dodo Airlines. Chez Dodo Airlines, on reste au sol pour mieux assurer son vol. Si tu veux visiter une autre île, inviter des amis sur celle-ci ou partir en escapade, c'est ici que ça se passe. Oh, et notre aéroport propose aussi un service postal. Parfois, on dit mieux les choses avec une lettre. Si tu veux envoyer un courrier, c'est à ta droite que ça se passe. On a un présentoir de cartes sur lequel tu trouveras sûrement ton bonheur. À propos, tu es Sisu, n'est-ce pas? C'est une petite île. Figure-toi que Tom Nook m'a confié un ticket Miles Nook au nom de Sisu et il est à toi. Si tu veux l'utiliser, tu n'as qu'à prononcer les mots magiques « Je veux voyager », ok? À part ça, tu as quelque chose à me dire. « Je veux voyager, recevoir des visiteurs, je n'ai besoin de rien. » C'est quoi recevoir des visiteurs, par exemple? Ah, tu veux recevoir de la... Okidoki. La première fois que tu te connectes pour recevoir des visiteurs ou rendre une visite, je dois attirer ton attention sur quelques informations importantes. C'est un peu long, mais c'est du sérieux. Ok, bah j'imagine que... Voilà. Jeu local, jeu en ligne. Lorsque tu joues en mode local ou en ligne... Bah c'est ça. C'est le fameux truc. Panneau d'affichage. Ok. Fais attention au contenu que tu partages avec les autres joueurs. Très bien. Merci de ton attention, on peut passer à la suite maintenant. Tu penses à quelqu'un d'une île proche en multijoueur local ou plus éloigné via le jeu en ligne? Jeu en ligne par exemple. Ça marche, et désolé si on t'a déjà montré ça, mais c'est la règle quand quelqu'un se prépare à jouer en ligne. Respecte les autres joueurs, évidemment. Ne triche pas, évidemment. Ok. Ok. Je te connecte à internet pour lancer le jeu en ligne. Ah ah! Ok, donc laisse tomber. Et du coup, là, si je fais l'autre truc... Je veux voyager. Je veux voyager. Okidoki, on prend un ticket Miles Nook à ton nom, juste là, n'hésite pas à l'utiliser quand tu veux. Donc, est-ce que tu peux me dire où tu vas pour que je m'occupe des formalités? Je peux aller voir quelqu'un si je veux? Je peux pas aller voir quelqu'un, je dois prendre un ticket Miles Nook, du coup, c'est ça? Est-ce que tu savais qu'on a l'impression qu'ils ont un vrai langage? C'est parce que chaque lettre est associée à un bruit genre U, C, PU, et tout ça, c'est en accéléré. Ah ouais? Si je fais le Miles Nook, je vais voir l'île mystère, c'est ça? Ok.
Tu veux utiliser un ticket de nounou hein? Ok, bah on va essayer. Hein. C'est la première fois que je voyage de ma vie. Je suis prête à t'envoyer dans les ciels bleus dès maintenant. Est-ce que tu es prête à partir? Ouais, en route. Allons-y comme ça. Hein. Let's go. Je vais pouvoir récupérer des matériaux. Eh ben, on va y aller alors. Dodo de contrôle, à Dodo 1, Rodrigue, tu me reçois. On va prendre l'avion, genre. Ok, donc le online, c'est pour aller voir des gens. Ça marche. Lurk, c'est pas bête, t'inquiète, quand on n'est pas habitué à Twitch et tout. Un lurk, c'est quand tu laisses le live ouvert avec le son et que tu fais autre chose à côté. Mais le live est toujours là. C'est comme quand tu laisses la télé en fond, tu vois. Même genre. Et c'est pas bête, il n'y a pas de question bête. Jamais, faut pas dire ça. Oh! Non, j'ai pas le online. C'est ta première escapade mystère, laisse-moi te briefer pour les procédures. Primo, on applique le protocole qui trouve garde sur tout le périmètre de l'île. Bois, fruits, poissons, tout ce que tu trouves est à toi, tant que tu arrives à le porter. Secondo, en cas d'outil cassé ou oublié, je peux réquisitionner un doublon de substitution. Ça te coûtera juste quelques miles. Tertio, si tu oublies quelque chose sur cette île, fais une croix dessus, tu ne reviendras pas la chercher. On ne revient jamais sur une île mystère, jamais. Je brûle les plans de vol une fois l'escapade terminée. Donc si tu tiens à un truc, ne l'oublie pas, compris? C'est tout, j'ai fini de jacter, tu peux commencer ton exploration. Mais c'est trop bien! Tu vas le prendre? Je sais pas, Arthur. Oh! Il y a des gens? What? Bah écoutez, on va farmer sur cette île. Vous pensez que je vais pouvoir trouver des pépites? Je peux prendre les fleurs aussi? Oh waouh! Trop bien! Trop trop cool! Attends. C'est parce que tu as une parcelle de libre. Ah, une parcelle de libre. Ouais. Ok. Ok, donc j'équipe. C'est un habitant que tu peux prendre sur ton île. Ah bon? Tu peux prendre les gens avec toi? Ok, là j'apprends des trucs. Là j'aime bien. Là j'apprends des choses. Il y a des... C'est quoi? C'est des noix de coco là-bas? Vous pensez que... C'est quoi qui est important de prendre là sur des îles comme ça? Tout? Tu farmes tout? Ok. Ok, je vais voir pour l'habitant alors. Utilise la pelle sinon tu pourras pas les planter chez toi. Ah, je les ramasse avec la pelle. Sinon là ça marchera pas. C'est vrai? Oh. Mais du coup ça me fait prendre beaucoup de place. C'est bon, tu l'as eu? Ok. Ok, alors attendez. Il faudrait que je jette les autres alors. Ouais, je dois les déterrer. D'accord, ok, ça marche. Je vais voir pour les poissons, du coup, aussi. Du coup. Mais j'en ai marre de me tromper tout le temps, là. Ok. Ok, très bien. C'est vrai que j'ai plus de fibres, en plus, chez moi. Salut, Lou Tartine. Découverte de la CNH. Ouais, c'est la quatrième fois que j'y joue. Et c'est très sympa. Beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de techniques à comprendre et tout. Ah non, mais j'ai plus de place. Non, mais les gars, j'ai plus de place. Comment je fais? Je suis full, en fait. J'aurais dû vider. Ah! Bon, c'est quoi? Je vais échanger avec ça, déjà. Il est où, l'habitant? Moi, je veux surtout les cailloux. Hein. Donc, on va voir. Et ça aussi. Attends, je veux récupérer. Et j'aimerais bien pêcher en fait, mais je me rends compte que il faut vraiment y aller avec le sac tout vide. Bah le jeu il est pas vraiment, il se termine pas vraiment. Désolé fleurs, désolé. Bah il est où l'habitant? Il a bougé ce bougre. Oh j'ai sauté. Je cherche le mec. Ça, je prends aussi. Oh, une bouteille à la mer. Je la prends. C'est quoi? Hein, plus de place. Oh non. C'est chiant. Bah, je vais échanger avec un flocon, je m'en tape. Désolé, flocon, ciao. Hein. Et du coup, c'est quoi ça? Message. Ouvrir. À qui pêchera ce message? Je crois que j'ai inventé un plan de bricolage qui va entrer dans l'histoire. Tu le trouveras aussi dans cette bouteille. Amuse-toi bien. Et à toi de jouer. Ok,
Mais j'ai déjà en plus un plan de bricolage, je crois. J'ai pas déjà ça? Ah, c'est un feu de joie à prendre. Je connais déjà ce plan de bricolage. Ah, si je connais déjà un plan de bricolage, j'ai le droit de le jeter ou pas? Il est où l'habitant? Il se fout de ma gueule? Je le vois plus. Ah, il est là-bas. Je peux le lâcher? Ok. Attendez. Je vais le lâcher direct. Hop. Parfait. Ok, il est là. Bonsoir, bonjour. Je m'appelle Aurore. Il y a un habitant qui s'appelle Aurore. Tu en es à combien de temps pour avoir le... Tu... En combien de temps? En combien de temps tu as le musée? Je sais pas du tout. Moi, je l'ai eu en 2 streams. Bonjour. Et toi, Sissou, enchantée. Tu viens d'Inkotori. Ça fait une sacrée balade. Tu as l'air bien plus habitué à voyager que moi. Oh. Ma mère me dit toujours que les rencontres qu'on fait en voyage ont quelque chose de magique. Je crois qu'elle n'a pas tort. Mais il est trop mignon, le petit pingouin. Attends, viens. Comment on fait pour te ramener avec nous? Ce que l'on dit des voyages, ça doit être vrai. Ça ouvre de nouveaux horizons. Ce changement de décor me fait me remettre en question ma vie sur l'île que j'aimais bien. Viens sur mon île. Oh, c'est une super idée, c'est si gentil ta part. En arrivant ici, je n'aurais jamais cru repartir avec une invitation pour une coterie. Ce n'est pas une blague au moins, c'est sérieux. Tu vas t'y plaire. Oh, j'ai tellement hâte de venir m'installer sur ton île. Oh, il est trop mimes. Si je me souviens bien, je dois d'abord contacter un certain Tom Nook pour régler certains détails. Je devrais faire ça tout de suite, sinon, tel que je me connais, je vais oublier. Ok. Il est trop mignon le pingouin, t'as vu? Attends que je lui raconte comment tu m'as invité sur ton île. Ok, trop bien. Alors, nous allons donc les pierres, surtout. C'était la base de pourquoi on était là. Je vais lâcher hein, ça. Hein. Désolée, mais je lâche tout. Je vais lâcher les fibres aussi. Et pour les plantes, du coup, j'ai des pieds de lys rouge, là aussi, et pieds de lys jaune. J'aimerais bien pêcher. Hop. Tu vas l'avoir sur ton île maintenant. Du coup, ça me fait 3 habitants, c'est trop bien. Donc, Aurore. J'ai une Aurore maintenant qui arrive. Attends. Il faut pas que je ramasse cette chose là. Mais il a disparu. Ça part trop vite. Ils s'en vont trop vite, je vous jure. Faudrait que je réorganise tout ça. Attends. Comment je fais déjà pour réorganiser? Merci Loctum pour le follow, bienvenue. En appuyant comme ça. Ok, toi tu vas aller là. Ça là. Osef. Complet. On va les mettre ici. Je vais garder la canne à pêche sur le côté. Ça, la pelle ici. Hop, le lance-pierre, on va le mettre là. Le filet, on va le mettre là. Et la hache, je vais la placer ici comme ça. Au moins, tu vois. Et là, j'ai des petites choses à ramasser. Merci Roro de Giro. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Coucou, je suis nouvelle. Tu fais quoi exactement? Coucou, je suis sur Animal Crossing actuellement. Elle viendra quand tu auras la mission des parcelles. J'ai pas encore cette mission. Tu peux lâcher le bois dur, tu les as déjà tous. Ouais, mais ça t'aide à crafter, du coup, j'ai pas forcément envie de le lâcher, tu vois. Je peux pas? Y a rien d'autre. Ok. Merveilleux. Ouais, c'est cool ce genre de live. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ok. Salut, Tom Nook. Comment tu vas? Bienvenue dans le chat. Et merci pour ton follow. Bienvenue. Bah, c'est cool si vous aimez bien les lives Animal Crossing, en vrai, avec moi. Alors que je démarre. Attends, il n'y en avait pas d'autres? Je pouvais pas encore péter des trucs? Non, apparemment pas du tout. Merci à Fayasette pour le follow. Bienvenue à toi. Je cherche encore, mais je pense pas avoir le reste. Faut enchaîner les coups sur la pierre, sinon elle arrête de te donner. Ah ouais? Merci Potiron pour le follow. Veux-tu bricoler quelque chose? Pas maintenant. Ok, donc ça nous sert à bricoler. Très bien. J'essaye d'enchaîner un max. Là, ça va. Eh, on en a du fer, hein. On en a plein du fer. Je suis contente. Hop. Cool. Et vous pensez que la pêche, je peux trouver des trucs cool ou pas? Ok. On va prendre ça. Équiper. Mais en fait, je remarque les pierres. Ça respawn en fait tout le temps, finalement.
Quand le sub-goal sera atteint, vous aurez toutes les modalités pour le... Oups. Pour le Battle Royale des Sims. Mais ouais, ce sera vous qui allez pouvoir participer. Ça va être trop trop bien. Comme des Hunger Games qu'on avait déjà fait il y a longtemps. Je crois que je peux plus. Ou alors il faut que j'attende. Mais purée. Non, là j'ai plus rien. Là j'ai un peu fait le tour pour l'instant. Moi j'aimerais bien avoir la combinaison aussi pour aller dans l'eau. Oui ça va et toi Tom Nook? Oui tous les jours. C'est quoi le thème de ton île? De ton île pardon? Bah elle ressemble à rien encore pour l'instant, mais ça sera le Japon. Attendez, j'ai oublié comment on pêche. Attends, normalement non, je vais y arriver. On va voir les poissons qu'on va avoir. Quoi? Un vieux pneu? Ah, on a une idée de plan de bricolage? Ok, trop bien. Je vais essayer de pêcher encore. Hop. Allez, viens, mon petit pote. Non. Par contre, la pêche, ce que je trouve hyper ingrat, c'est qu'il faut vraiment que le truc soit devant le poisson. Vraiment, genre. Allez, tourne-toi, viens. Ouais, frère, c'est trop. Peut-être que lui, il va venir. Un jour. Viens. Viens. Allez. T'es proche, là. T'es juste devant. On t'attend. Comment ça, mon ref? Ah, c'est trop. Ah, enfin. Moi, j'aimerais bien découvrir des nouvelles espèces. Ah. Tu as pris un bar, mais j'en ai plein sur mon île. Est-ce que vous pensez que ça a respawn, les pierres? Je veux faire la boutique. Qu'est-ce que... Attendez, c'est quoi? Comment je peux faire si je fais ça? Est-ce que je peux voir ce que j'ai cumulé ou pas en faisant ça? Oui. Hop. Parfait. Très bien. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, ça va respawn, j'espère. Non, ça sera que demain. Quoi? Les pierres ou la boutique? La boutique, je sais. Moi, je parlais des pierres, là. Ah ouais, c'est que par jour? Sérieux? Ah bah, je vais me rentrer, alors, hein. Ça sert à rien de rester là. Juste peut-être prendre des fleurs, même si... Tu vois, genre les blanches, là, je les ai pas prises. J'ai une rouge, une jaune. Je vais prendre une blanche. Ouais, il y a des quotas. Relou. Allez, viens. On se casse. Une fois par jour, ça va. On rentre. Hop. Pourquoi je resterai? Y a rien à y faire, là. Tu veux faire quoi? Tu es la princesse Peach? Un peu, ouais. Un petit peu, ouais. C'est bon, je vais devoir vous laisser. Je reçois ce soir à la maison et les invités sont déjà arrivés. Il n'y a pas de soucis, Cyber Wisdom. Très bonne soirée. Bonsoir, Mélanie. Comment tu vas? Bah, je vais rentrer. J'ai déjà... Quoi? La pelle? Tu peux enlever des pierres avec de... une pelle? Ah bon? Voyons voir. Bah non, ça marche pas. Bah non, ça marche pas la pelle. Mon planning, il est sur mes réseaux sociaux si vous le cherchez. Non, ça fait rien. C'est que la hache, je pense. Fatigué et toi? Moi, ça va. Faut que tu manges un fruit pour casser la pierre. Ah ouais, mais je les ai tous vendus, je crois. Ou alors j'ai ce... Attends. Parce que j'ai des fruits là. Mais genre le fruit ça pourrait m'aider. Pelle et hache c'est la même chose. Ah bah voilà. Faites pas des doublons. Bon je rentre. Je vais rentrer. Bon je pense pas que je vais pouvoir avoir toutes mes... Ouais. Si tu manges ça détruit complètement la pierre. Ok d'accord. Hâte de voir ce soit attraper des requins. Jamais fait encore hein. Les requins et tout. Et pour le planning, les gars, allez sur le Discord, allez sur les réseaux.
Elle a changé la voix de dodo. Ouais, bizarre. Elle était toute grave et tout. Il y a un présentoir de cartes pour 200 clochettes. Tu peux choisir une carte et envoyer un message. Et j'enverrai un message à qui? Les fruits font 10 stacks. Ok. Vas-y, je veux voir. Je suis curieuse. Est-ce que tu peux envoyer une carte à un habitant de l'île? Ma moi du futur. Un habitant de l'île. Vas-y, j'essaye. Un habitant de cette île. Okidoki. Et c'est qui? Je vais envoyer à Vanessa. C'est pour Vanessa. Choisis une carte et écris un message dessus. Oh! Oh, trop mignon! Il y a des cartes genre de Noël et tout? Mais c'est trop chaud! Je découvre. Waouh, mais cette carte est incroyable. Merci, Antsky pour le follow, bienvenue. C'est payant. Ben oui, 200 clochettes apparemment. Mais c'est trop mignon. C'est trop trop chou. J'adore. J'avais été curieuse de voir un petit peu les cartes et tout. Ok, allez. On y retourne. Bon, la boutique, ça va être chaud. Même de la valider aujourd'hui parce que 30 pépites de fer, c'est la mouise. C'est vraiment la mouise. Attends. J'ai de l'orange, j'ai de machin, noix de coco. Je vais essayer de voir si je peux pas encore farmer un coup. Du coup, vous me dites que la pelle et la hache, c'est la même chose en fait. J'ai pas besoin d'équiper et de déséquiper. Oh purée. Ouais, non. Mais du coup, si je mange un fruit... Vas-y, je teste. J'ai jamais testé encore. En manger un. Ok. Là, j'ai mangé. Renono. D'accord, merveilleux. Mais du coup, t'as pas grand-chose, quoi. Je sais pas si ça peut me donner une pépite de fer. Ah, mais il faut que j'en mange un par caillou que je casse. Ouais, je comprends l'eau tartine. Salut, Lina. Très bien, mais c'est que de la pierre, finalement. C'est pas... interesting. Pas du tout. Vas-y. Bah, du coup, on va manger. Ça donne que de la pierre, ouais. Je l'ai lâché. Je suis un peu neuneux, apparemment. J'ai décidé de l'être. Lâcher... Mais purée, je troll, les gars! Je troll de fou. Désolée. Excusez-moi, j'appuie trop vite. Mange. Ouais, mais moi, je voulais des pépites de fer. Vas-y, tape. Il va encore disparaître. Je suis trop lente. J'arrive pas à être hyper rapide encore dans mes trucs. Non, tu vois, il est parti. Ah! Si, c'est bon! Si jamais tu veux faire de la place dans tes poches, va faire expertiser tes fossiles au musée et offre-les. Le but du musée est de reconstituer les squelettes et récolter toutes les espèces de poissons, d'insectes, si jamais ça peut t'aider. Merci Prissy. Alors, je le savais déjà, c'est que j'ai récolté des fossiles entre-temps. Et j'essaye de les donner au fur et à mesure, mais des fois, je le fais pas et je garde dans mes poches, en effet. Merci pour tes conseils. La change ta... ta maison. Comment ça, la change ma maison? On a tous une maison de base. Enfin, vous avez une tente, mais après, vous avez une maison. Ouais, c'est les touches des... Comme ça, là. Mais moi, je me perds, en fait. Faut que je m'habitue. Alors, attends. Attends, je vais essayer d'utiliser les trucs, là, comme ça. Ok. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres cailloux, là-bas. Il devrait y en avoir, quand même. Des rochers. Là, j'ai pas d'échelle, non plus. Comment on fait pour avoir l'échelle, les amis? C'est une recette, c'est quoi? Merci Sarah pour le follow, bienvenue. Comment on fait? L'échelle, c'est une recette? C'est un truc à craft? Ouais non, hein, tu vois. J'ai vraiment fait le tour. Oh coucou toi! Attendez, il y a encore le fantôme. Un fantôme! Mais c'est toi le fantôme mon ref. Ah, c'est avec les quêtes. Mais c'est follet, mais qu'est-ce qu'il a lui? Merci Lina pour le follow, bienvenue. Oh mais c'est Sissou, bah oui c'est moi. Il a eu trop peur, quel ennui, non vraiment. Je ne peux pas rester ainsi, que faire. Dis-moi, cela m'ennuie t'embêter avec ça, mais est-ce que tu as accepté de réunir à nouveau mes esprits? Autrement je suis condamnée à finir mes jours sous cette apparence impensable. Encore, il veut des petits esprits. Ok, bah si je les vois, je te les file. Y a pas de problème.
J'ai 40 euros de porte-monnaie Steam, mais je sais pas quoi acheter comme jeu. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui ont des jeux fétiches 40 balles? T'aimes quoi comme jeu Psyx, c'est quoi le genre de jeu auquel tu aimes jouer déjà? Essaye de trier par genre. Peut-être que ça va pouvoir t'aider. Ouais, il est trop mims. Ok, j'ai pas apparemment d'autre chose. Et donc, l'échelle, c'est quoi? C'est Thibou? Ah bon? Là, je peux pas monter ici. Merci Amandine pour ton follow, bienvenue. Merci Sarah, c'est gentil, bienvenue. Je vais aller de ce côté encore. Moi, je voulais savoir pour l'échelle. J'aurai pas mes lingots. Ça me fait... Yesh. Profondément. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, bah, il me manque les pépites. Ça me rend tristesse. C'est une quête future. Ouais. Bon, bah, soyons patients. Hop, 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 hop. Il y a un petit fantôme là-bas. Hop. Moi, j'ai 50 euros sur E-App. Je sais pas quoi acheter comme pack Sims. Ça dépend. Mince, j'y étais pas du tout. Ça dépend de ce que t'aimes faire, tu vois, dans les Sims. Tiens, il en faut combien? Mais dans tes poches sont pleines et si tu échangeais contre autre chose. Ah, super. Le pneu, apparemment, on peut faire un truc avec. En vrai, la tunique d'homme... Ouais, je viens de commencer le jeu. Enfin, je viens. Pas aujourd'hui, mais... Je vais laisser ça par terre, Osef, Osef, Osef. Je sais, ça ne ressemble à rien. C'est le dawa total. Il y a zéro tri, il y a tout qui est nul. Mais c'est pas grave. Déjà, on va aller faire expertiser le fossile, vu qu'on est là. J'aime bien Life is Strange, etc. J'ai des jeux dans ma wishlist Steam. Mais le problème, c'est que je sais pas si je préfère y jouer sur ordi ou sur la Play. Ah oui, alors il faut que tu te poses la question, en effet. T'avais déjà joué? J'ai fait 4 streams dessus. Tu aimes bien les jeux de gestion? Ça dépend. Ça dépend desquels. Expertiser les fossiles. Yeah. J'ai ramassé combien de fossiles aujourd'hui? Beaucoup. Normalement, c'est pas 4 par jour. Hop, on va confirmer. Plus un challenge en construit. Le mode d'achat construction du pack Annelissé est trop stylé. Celui de mini maison est trop cool aussi. Celui de chien et chat est très très cool aussi. Ok, parfait. Donc on va lui donner. Mais ouais, je suis dégoûtée. Je voulais tellement, tellement, tellement faire la boutique là. Mais en fait, je vais pas pouvoir. Il faut que je relance le jeu en fait. Faire une donation. Yes. 5 normalement par jour. Ah, je peux faire une donation pour le mille pattes. Et ça. Parfait. Sylvain, j'ouvrirai un cabinet d'esthéticienne, c'est bon. Tu termines le live à quelle heure? Je sais pas du tout. Selon comme je le sens. Ok, on n'a plus besoin de rien. Bezo. Bonne soirée Lilou, des bisous. À vendredi. Bonne soirée. Ok, bon, là je suis en mode... Je suis en mode un peu... je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je ne planterai pas mes fleurs? Par exemple. Bonsoir Lolo, comment vas-tu? Tu vois? Je sais qu'apparemment, on peut faire des hybrides machin et tout. Pied de lys rouge, lys jaune. Si je mets des lys rouges à côté de lys jaune, ça fait des hybrides. Et si je mets des lys rouges à côté des blancs ou des blancs à côté des jaunes, ça fait des hybrides ou pas? On m'a dit qu'il fallait que ce soit en ligne aussi. Tu as fait les rochers. Bah, tous mes rochers sont prêts, hein. Je les ai pas tous détruits, moi je veux des pépites. C'est trop beau quand il y a la neige. Grave, je viens de découvrir moi. Alors, je vais faire un trou par là. Rouge plus blanc plus rouge et rouge. Rouge plus rouge. Rouge et jaune, je vais essayer. Et jaune et blanc, non. Du coup. Ah, tu vois, je me suis loupée. Ça m'énerve. Vous avez pas de mal, vous, avec la visée d'Animal Crossing? Je suis la seule. Je troll. Je suis la seule dans cet état? Ok, attends. Donc là, si je fais rouge,
Je la plante. Ok. Et que du coup, là, je vais... Je me trompe tout le temps, c'est un enfer. Je vais là, et du coup, je mets une rouge à côté. Hop. Parfait. Je vous donne envie de rejouer. Et ben... Non ! J'allais dire, et ben, c'est trop bien. Et puis, j'ai hurlé. Ouais, je veux bien une image des hybrides. Vas-y, vas-y. Carrément. Et là, je mets une jaune, on a dit. Ok. Je peux mettre la blanche quand même à côté. Je perds rien à faire ça. Au pire, il n'y a pas d'hybride, mais Osef, non ? Planté. Vas-y. J'ai aussi des problèmes avec la visée sur Fortnite et Call of. Ah, c'est pas la même chose, je pense. Hein. Ouais, j'ai un Discord. Si vous faites le point d'exclamation Discord, vous avez le lien du serveur. N'hésitez pas. Hop. Il m'a dit qu'il en avait combien des petits fantômas, là, comme ça ? Pas d'hybride de couleur, mais tu pourras avoir d'autres jaunes ou blanches. Ok. Parfait. Bon. C'est 5 morceaux d'esprit. 5, merci. Donc là, j'en ai 2. Rentre à la maison. Qu'est-ce que tu fiches ? Je vais essayer d'entreposer des trucs, là, un peu. Tu vois ? Histoire de ranger un peu notre chambre. Ça marche, la fan de Sissourine ? Pas de problème. Qu'est-ce que je peux ranger ? J'ai des choses à vendre, déjà. Là, j'ai quoi ? Mais c'est quoi, tout ça ? J'ai une pelle rudimentaire. Les poires, on avait dit qu'il fallait que je les garde. Les champignons aussi, il faut que je les garde. Et j'ai des coquillages palourdes japonaises. On m'a dit de les garder aussi. Apparemment. Alors, on va entreposer ça. Les branches d'arbres également. Ça, le sol et tout, je vais regarder. La jupe, en vrai, je vais l'entreposer. L'argile aussi. Les noix de coco. Est-ce qu'il faudrait que je garde les noix de coco ou pas? Ouais, j'ai une maison. Je les garde ou je les vends? J'en fais quoi? Bah, dans le doute, vu que c'est nouveau, je range. Entreposer. Le bar, je vais le vendre parce que j'avais déjà donné au musée et tout. Et ça, du coup, j'ai la tondeuse à gazon. Attendez, je vais aller voir ça. Les planter dans mon île, ça va pousser en hiver? Faut pas que j'attende une saison particulière pour planter? Même en hiver, je peux planter sur la plage. Ah bon? J'ai obtenu mes miles. J'ai pas vu combien j'en ai eu. Ah, 300. Je te fais en noir et blanc, t'es trop compliqué en couleur. Bah ok. Purée, c'est triste, moi qui adore la couleur. Non, tout pousse, c'est juste pour les poissons et insectes les saisons. D'accord, ok. Bah, alors on va les planter. Et vous en faites quoi après des noix de coco? Genre, vous les vendez, vous les mangez et puis basta? Ok, j'ai tout récolté. Dans mes bébétopédies, j'en suis dans quoi, là? Et je commence à découvrir des trucs. Même pour les poissons, mine de rien. Genre, je connais pas tout, mais... Créature marine, rien du tout. Il nous faut la combinaison. En vrai, il nous faut grave la combi. Tu vois? Yes, la logique, mais bon, c'est ça. Je connais des nouveaux trucs. Ah! Jeu en pneu. On peut faire un jeu en pneu. D'accord, ok. Bah, je vais les récupérer. Je vais aller les... Yes! Je vais aller les planter, du coup... Mais j'en peux plus. Je vais aller les planter sur à la plage. Tu peux vendre ou garder pour les manger quand tu veux déplacer des arbres. Ah ouais, j'en suis pas encore là. L'un des hybrides fleurs le plus compliqué à avoir, c'est le violet. Ah non, c'est ma couleur en plus, tu dis ça. J'aurai le violet un jour, c'est sûr. Bah écoutez, on va les prendre et les planter. Allez. Merci Cléa la Beste pour ton follow, bienvenue. Je vais placer ma tondeuse à gazon. Alors que je n'ai pas de gazon dehors aussi. Tu essayes de capturer ta maison. Bah ouais, parce que quand t'appuies sur la touche, tu vois, ça te la met là comme ça. Elle est trop mims. On peut pas la retourner. Dommage. Je la placerai à un autre moment. Salut Cléa. Sylvain, il fait tous les jeux de mots possibles là. Ok, alors attends. Je vais mettre... un petit cocotier par ici. Coucou, aimes-tu?
Ça marche, Pixelis? Si je veux la bouger, il faut juste que tu te mettes à droite et que tu la pousses. Ok, dans le sens, en fait, du truc, finalement. Ça marche. Donc, j'en étais où? Pelle. On va se mettre un petit arbre par là. On va se planter le cocotier. Tiens. Tu la plantes pas? Quand même. En planter une, vas-y. Je vais en garder quand même. Oh cool, ça m'a fait valider un truc dans le MySnook. J'ai validé quoi? Fruits pour tous les goûts. Cool. Faudrait que je vois ce que je peux faire avec mes MySnook aussi. Je vais en planter deux. Un peu par-ci, par-là. Pas au même endroit non plus. Et après, je vais vendre le reste. Genre là, tu vois, ce serait cool d'aller de ce côté de la plage et de vendre. Et de vendre. Et de planter ici. Au moins, comme ça, j'en ai un peu de part et d'autre. Je suis pas allée de ce côté-là de la plage. Je suis pas montée jusque-là. La ramasse. La bichette. Plante tout. Bah, je pense que vendre, c'est pas mal non plus, tu vois. Bon, je ne montre... me connaissant, je ne vais pas monter jusque-là. Donc, je vais planter mon cocotier après le... Juste après ce rocher. Hop. On va se faire ça. On s'équipe. Je vais faire un petit trou là. J'ai peur qu'elle ait pas de place. Plutôt le mettre en plein milieu là. Allez. Oui, ça se vend plus cher que son fruit de base sur son île. Ça m'étonne pas en même temps. En plus, c'est de la noix de coco, tu vois. Hop. Il paraît que quand il est tard, on peut attraper des requins. Mais faut pas faire de la plongée pour attraper des requins. J'ai cru comprendre ça. Vas-y, je vais vendre. Ça fait quoi d'appuyer sur la flèche du bas? Mais ça fait... ça t'enlève ton matériel. Ah, je savais pas, je connaissais pas. Regarde ça en été. Les requins, ça dépend de la saison. C'est été, je crois, et l'heure. Ah, ok. Moi, je suis dégoûtée. Parce que je ne peux pas te donner encore ce que je veux. Tiens, je vais vendre ça. Combien tu me le prends? Combien tu me les prends? Juste tout seul. Des noix de coco, yes. 1000 clochettes? Nul. Nul, mais je vends quand même. Je vais lui vendre ce que j'ai encore. Achète-moi des trucs. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Tiens, je... Je sais pas. Je suis hémisphère nord, moi. Non, mais là, vous savez quoi? Je vais voir si j'ai assez de miles pour avoir la combinaison. Alors, on prend ça. On te vend ça, ça. Et on avait dit le poisson. Ok, ça part. 780 clochettes, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Merci bien. D'ailleurs, j'ai un autre arbre à clochettes, je suis pas allée le chercher. Hein. Bienvenue dans le Nookstop, nanani. Attendez, je vais voir un peu si je peux m'acheter des trucs, quand même. Échanger des miles, Nook Shopping, je vais regarder. Lampe de jardin. C'est pas dans ça, c'est dans... C'est dans quoi? Échanger des miles Nook? Je crois que c'est là. J'ai des tickets, motifs, combi de plongée. Bah, je vais l'acheter. C'est celle-là. On la voulait. Échanger. Parfait. On va pouvoir faire de la plongée. Oui, ça part. Oh, il y a des chemises hawaïennes et tout. C'est trop mignon. Ah ouais, j'avais pris quoi la dernière fois? Le top des coiffures cool, je crois. Là, il faudrait que je prenne le top des colorations pour avoir la meilleure coloration possible, tu vois. Si quelqu'un m'achète une noix de coco pour 1000 balles, jamais je refuse. Ah bah dans la vraie vie, moi non plus je refuse pas, tu vois. Salut Léane, comment ça va? Bon, on farm un petit peu. Tu regardes la Star Academy? Ouais,
Bah, figure-toi qu'à la base, absolument pas. J'ai jamais regardé les nouvelles saisons et tout. Moi, j'ai regardé à l'ancienne, genre Grégory Le Marchal, Jennifer et tout ça, tu vois. Et là, cette année, je regarde parce que je trouve ça cool. Ah, j'ai un petit faux-follet. On va ramasser. Équipe. Non ! J'ai ramassé mon truc. Team Elena. Eleba, Elena. Elena Starak. Toi, t'es team Elena. Bah, parce qu'elle est belge, j'imagine. Moi, je suis team Lenny, les gars. Du coup, ouais, là, je regarde la Star Academy. Je me suis vachement attachée aux gens, en fait. Mais purée, j'arrive pas à l'attraper, c'est trop grave. Aux gens dans cette école, je les trouve trop pipou. Au début, j'aimais beaucoup Axel, mais finalement, je n'aime plus trop ce garçon, je le trouve hyper chiant. J'aime pas son caractère, j'aime pas trop son énergie. Il me sort par les trous de nez. Candice, désolée, hein. Ravie qu'elle soit partie. Au secours, je n'en pouvais plus de Candice. Elle est pas méchante, hein. Elle est mignonne et tout. Elle m'a gonflée. Mais genre comme jamais. Voilà. Et j'adore Djibril. Mais je suis un peu team Lenny. Même si j'adore Pierre. J'ai Pierre quand même. Il chante divinement bien. Voilà. Donc ouais, les autres années, je regardais pas du tout. J'ai trouvé ça nul. J'avais regardé genre une fois un prime. J'ai trouvé ça mais nul. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai regardé une quotidienne. J'ai fait, mais ils sont trop pipous. Donc bah voilà. J'ai kiffé. Tu veux des couronnes qui coûtent 1 million de clochettes, j'en ai plein pour toi. Je ne peux pas échanger avec qui que ce soit pour le moment. Non, Lenny surcotée, on voit qu'elle... Ben, en même temps, Lenny, je suis désolée, mais elle est très très forte. Hein. Lenny, elle chante, elle danse bien. Elle est très fragile au niveau de sa voix, elle a souvent très mal à la gorge. Mais moi, je trouve qu'elle chante vraiment bien. Hein. Après, Elena, j'aime beaucoup. Pour moi, Elena, elle a vachement de potentiel, mais elle est trop coincée. Elle n'arrive pas à se lâcher complètement. Elle commence à se lâcher de plus en plus, là, mais je trouve pas ça fou encore. Genre, elle a tellement de potentiel de fou. Elle a une voix exceptionnelle. Là, ses dernières évaluations, c'était une dinguerie ce qu'elle avait fait. Et non. Et des fois, pendant le prime, ça passe pas. Tu vois. Moi, je les confonds des fois. J'aime beaucoup Djibril, mais je trouve qu'il est quand même en dessous par rapport aux autres, tu vois. Mais pour moi, Pierre, Incre. Incre de ouf. Par contre, Julien, il chante bien, mais il y a des moments, il m'agace, tu vois. Genre, ceux que j'aime un peu moins, c'est Axel et Julien. Oui, la voix d'Elena, incroyable. Ah, mais de ouf. C'est juste que je cherche le dernier feu follet là. Ok, il est là. C'est juste que je trouve qu'elle est encore trop réservée, tu vois. Il faut qu'elle se lâche encore plus. Mais Lenny, je suis désolée. Elle a tout pour gagner, hein, pour moi. Hein. Après, je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas si elle pourrait gagner. Il y a Pierre en face quand même. Il est où du coup, feu follet là? Je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus où il est. Il est là. J'arrive, mon ami. Les gars, arrêtez de me donner des ordres et arrêtez de spammer 45 000 fois vos messages, ça sert à rien. Merci. Si les modos suppriment vos messages et vous disent d'arrêter de spammer, faut le faire s'il vous plaît. Salut Siam! Les voilà, tiens. On parle de la Starac. C'est bon. Oh, il est trop beau. On dirait un personnage dans Mario. Je suis sûre que c'est fait exprès, qu'il y a une ref. Coucou sur TikTok, je suis désolée si je vous lis pas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. En vrai, vous avez le lien en bio. Attendez 2 secondes. J'ai pas posté mon TikTok du jour, d'ailleurs. Il faut que je le fasse en 2 secondes 30. Il est trop mignon. Attendez, je l'ai pas fait. Bah, c'est du spam, Dark Lias. C'est du spam. À partir du moment où tu mets ton message beaucoup trop de fois d'affilée en 1 ou 2 minutes pour redire la même chose alors que je le lis pas, c'est considéré comme du spam. Voilà, donc n'hésite pas à patienter, ce n'est pas grave. Et ne soyez pas non plus de mauvaise foi. Merci. Attendez, hep. Je poste juste mon truc. C'est bon, normalement. Let's go. J'ai posté mon TikTok. Hop. Alors, que vais-je bien pouvoir t'offrir? Tu peux choisir entre un élément que tu ne possèdes pas.
Un truc nouveau, un truc cher, un truc rush, là. La dernière fois, j'avais pris un truc que je ne possède pas. Là, je veux un truc cher. Fort bien. J'ai quoi? J'ai jamais bien su juger la valeur. Pardonne-moi si je fais une erreur. Un papa ours. C'est une peluche? Parce qu'après, je me dis, on peut le revendre si ça me plaît pas, tu vois. Regarde tous ceux qui redébarquent. J'ai eu un papa ours. Ah, j'ai hâte de le voir, c'est quoi? Il est... C'est quoi ça? Tondeuse à gazon, du coup? Eh ben oui. Je vais aller chez moi. Bonsoir Marina. Je suis en train de manger. Ben, je vais pas tarder moi non plus en vrai parce que je commence à avoir faim, ça y est. Et le temps de me préparer à manger et tout. Ok. Papa ours, fais voir. Il ressemble à quoi? Il est trop beau! Il est en plein milieu de ma pièce, ça ne ressemble strictement à rien. Il est trop beau. Comment on fait pour placer tous ces objets? Il est trop joli. Attends, faire pivoter. Là, je le fais pivoter, très bien. Moi, je veux le saisir. Faut maintenir A. Ok, je peux le placer genre... Il est énorme. Je peux le mettre là. Oh, mon Dieu. Attendez, je vais essayer de remettre mes trucs un peu... mieux, genre le lit par exemple, on pourrait... Attends, non. Faire pivoter. Ouais, on va le mettre dans ce sens-là. J'adore. Là par contre, si je peux décorer des trucs et tout, c'est trop trop bien. J'aimerais bien prendre la table et la mettre, pourquoi pas, genre vers le milieu. Ça, je vais mettre ça sur le côté ici. Hein. Ça peut pas l'empêcher de rentrer dans son lit, je pense, pour dormir, je dirais. Je pense. Hein. Ça, on va le prendre là. Let's go. On va le pivoter. On peut faire une sélection multiple aussi. Trop stylé. Ça, c'est quoi? C'est mon arbre à chat. Alors, j'aimerais bien le faire pivoter. Et le mettre, du coup, juste à côté du tableau. Là, on a un miroir aussi. Est-ce qu'on n'irait pas se le coller par là? L'aspirateur, écoutez, je vais le laisser là. Et ça, je ne sais pas dans quel sens on est, en fait. Fais voir. Il n'est pas dans le bon sens pour moi. Hop. Comme ça, parfait. Et l'aspirateur... on va le prendre là et potentiellement le mettre à côté. Ah, il rentre pas? Oh non. Je vais mettre là. Coucou, Louve Blanche. Cool. Comme ça, ce sera un petit peu plus organisé. J'aime bien. Bon, c'est pas très feng shui parce que le miroir est juste devant la fenêtre. Mais l'ours est trop beau. L'ours est trop trop joli. Je suis trop fan. Je vais filer. Bonne suite à ta découverte. Merci, Yuna. C'est gentil. Ah ouais, le papa, il est trop trop beau, hein. Bon, là, j'ai pas d'autres quêtes qui me sont proposées par Tom Nook, en fait. Je remarque. Bah, j'ai essayé de le faire tout à l'heure, j'ai rien entendu, Baptiste. Mais il y avait beaucoup d'alertes aussi. Lui, il me parle que de ma maison. Tiens, voilà. Que tu as des choses à me dire. C'est toujours un plaisir, tu profites bien de la vie insulaire, j'entends te dire que tu nous aides à trouver des matériaux pour construire notre boutique, c'est trop sympa. Je ne veux surtout pas te mettre la pression, mais on apprécie vraiment ce que tu fais. De rien. À part si je retourne dans une île mystère. Lui, il veut juste de la moula, de toute façon, c'est ça. Tom Nook, c'est Picsou. J'achète un ticket Miles Nook. Comme ça, je... C'est avec ça, ticket Miles Nook? On peut partir dans une autre île mystère? On peut le faire ou pas? Après, on a le sac à dos aussi. On peut pas avoir un plus grand sac à dos? Ticket Miles Nook, en vrai. Après, j'ai ma combi de plongée. J'ai pas essayé, d'ailleurs. Mais il faut le faire vraiment beaucoup de fois. J'ai découvert ça d'un coup. Ah, ok. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Bonne soirée, Arthur. Franchement, je vais la racheter et je vais retourner sur une île mystère. Bonne soirée à tous ceux qui s'en vont, pardon, des bisous. Bisous Charlotte, bon anniversaire à ta maman. Bonne soirée. Ok, c'était juste un accessoire, ça marche. Bon bah on va retourner sur une île. Tu peux pas plonger, Sissou, pourquoi? Il me faut les accessoires de plongée en plus? Parce que là j'ai pris. Mon anniversaire c'est le 27 septembre. Non, la combi de plongée, c'est pour faire de la plongée sous-marine.
Ah bon? Merci make-up artiste pour le follow. Bienvenue. C'est gentil. Oh, on est bientôt 28 000. On est bientôt 28 000 sur Twitch. Ah, merci beaucoup Luna Sullivan pour le follow. Bienvenue. On va être bientôt 28 000 sur Twitch, les amis. C'est une dinguerie. Trop, trop bien. Attendez, on va essayer. Merci Maeva pour le follow également. Bienvenue. On va essayer. Je vais aller à la mer, là. Attends. Admettons. Comment je fais? Si je veux plonger. Tondeuse à gazon. J'ai rien à taper, là. Bah non, je peux pas. Je... Ah, attends. Soyons logiques. Si je fais ça... Ah non, c'est que mes vêtements à moi. Tu retires quoi? Je veux rien retirer. Coucou Nono, ça va et toi? Tu peux pas... Mais attendez, je pensais que je pouvais. Et merci du coup aussi à Maeva pour le follow. Si j'ai pas remercié. Merci pour les cœurs sur TikTok, c'est très gentil. Merci Sally O'Hara pour le follow, bienvenue. Bah, je l'ai acheté la combi de plongée tout à l'heure. On est 28 000, merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci pour tous les follow qu'il y a eu ce soir. On a atteint les 28 000 followers. Gentil. Oui, bah oui, je l'ai commandé, c'est vrai. J'oublie en fait que dans ce jeu-là, il faut attendre en fait. Merci Sally, du coup. Merci fan de Sissourine, merci beaucoup. Ok, mais c'est pour ça en fait. Je vais l'avoir demain. Ok. Mais du coup, j'ai envie de lancer un live Animal Crossing demain, mais je peux pas, il faut que je travaille sur autre chose. Oh. Je la récupérerai toute seule, c'est pas grave. On fera plus de stream Animal Crossing quand on a le temps, promis. Attendez, je réfléchis. Là, j'en étais où? Merci beaucoup, Sally. Merci, merci. Dans l'excitation, j'ai mis trop de haut, mais tu m'étonnes. Merci, Maëlys, pour les 10 bits. Merci, Lulu. Je faisais quoi? Oui, on va aller à l'aéroport, là. Non, j'ai pas trop envie de time travel, en vrai, Cerise. Pas trop. On l'a fait... Et... Merci, merci pour vos bravos, vous êtes trop gentils. Objectif de l'année 2024. Essayez d'atteindre les 30 000. Bon, je pense qu'on pourra. Mais ce serait même atteindre... J'aimerais bien qu'on ait les 40K, tu vois, dans l'année 2024, les 50K, pourquoi pas. Salut Bérangère, comment tu vas? Bonne année. Ah ben ça, il faut que je le prenne alors. Faut que j'aille faire pipi. Désolée, c'est pas du tout intéressant, mais je veux voyager. Yeah. Oh, peut-être qu'on aura un nouvel habitant encore. Allez voir quelqu'un. Ticket. Prête à envoyer dans les ciels bleus. Est-ce que tu es prête à partir? En route. J'ai pas vu si... Mince, j'aurais dû vider mon inventaire. Je l'ai pas fait. Oui, ça va, Bérangère, merci. De fou, ça va très très bien. Allez, on va faire ça. Et après, je vais m'arrêter. J'irai manger. Moi aussi. Enfin, me préparer à manger. Allez, hâte de découvrir l'île. Du coup... C'est pas mal, en fait, de prendre l'avion, de voyager. C'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien. Et pourquoi il a pas la même voix quand on arrive sur une autre île? Ok, merci. C'est la même île que tout à l'heure? Non. Non, c'est pas la même. Oh. Mais c'est les mêmes fleurs, par contre, à chaque fois. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Regardez, il y a un autre habitant là-bas. Il faut que j'aille le voir. Je vais aller voir. Pardon les fleurs. Bonsoir, bonjour, c'est qui ça? Dorian. Il est sympa cet habitant ou pas? Enchanté, je suis Dorian. Et toi, tu es Sissou d'Inkotori? Ça, c'est cool. Je crois qu'on va bien s'amuser ici tous les deux. La nature est vraiment luxuriante sur cette île. Partout où on regarde, nature, nature et encore nature. Je pourrais passer des heures à montrer des trucs du doigt et à dire ça, c'est la nature. Comment j'aurais trop envie de vivre sur une île comme celle-là? Oh, il est trop mimi. Viens! Vas-y, je l'invite. Hein? Tu as bien dit que tu vivais à Inkotori, c'est ça? Est-ce que c'est aussi joli qu'ici?
Waouh, dans ce cas, je veux y aller. Celui que j'ai invité tout à l'heure, le pingouin Aurore, du coup, elle vient le lendemain aussi ? Parce que je crois pas, j'ai pas fait attention, mais je pense pas l'avoir vue. Ah bah réessaye Sarah alors. D'accord, ok, la Noélie. Après le stream, go allumer Animal Crossing. Mais go en vrai. Tu peux avoir max 3 habitants en plus aujourd'hui. Cool. Allez. Mais au fait, qu'est-ce que je dois faire pour déménager à une coterie ? Il faut que j'appelle ce monsieur Tom Nook et que je lui explique tout. Merci, je lui passerai un coup de fil. C'est le plus beau jour de ma vie depuis que j'ai découvert la recette des nouilles. En plus, il aime les nouilles. Mais parfait. Il est trop mimi. Ok, donc ils arrivent dès le lendemain. Je suis contente. Je vais avoir 4 habitants chez moi. Oh, ils vont avoir une super maison et tout. Ça va être si bien. Bon. Âge de pierre, c'est parti. Dorian, ce sera après-demain ? Ah, un jour, un habitant, quoi. Ok. Allez, va. Allez, je veux des... Encore des pierres, là. Non ! Non ! Je suis dégoûtée. Non, je suis dégoûtée. J'ai plus de hache. Mais vous m'avez dit que la pelle, c'était possible. Donc, on va le faire avec la pelle. Je ne peux pas monter ici, je n'ai pas d'échelle. Comment on fait pour avoir une échelle purée de patates ? Vous m'avez dit, il faut attendre, Tom Nook, je sais pas quoi. J'ai encore des coco, des noix de coco. Bon, on va les ramasser, hein. Ok, un jour, un habitant. D'accord. Les fleurs, je vais pas les ramasser. Là, du coup, il faut que... Je me bouge. Le fiac. C'est trop loin ? Mais pourquoi tu passes pas ? Ok, trop bizarre. Je veux des pierres. Ok, bien. Là, si tu n'as pas de parcelles, ils ne pourront pas s'installer. Il faut attendre que tu aies les parcelles. C'est-à-dire... Oh, ça va être compliqué. Ok. D'accord. Non, je peux plus. J'en ai qu'une seule. Ramasse. Comment tu as choisi tes modos, du coup Sissou? Mes modos sont choisis avec des... En gros, les modos, ils postulent, si tu veux. Ils envoient des lettres de motivation et tout. Ils remplissent un petit formulaire, etc. Et les critères, très souvent, c'est de savoir s'ils peuvent eh bien, aller avec la team des modos, parce qu'il y a déjà quand même une team qui est là depuis un moment, etc. Donc, c'est cool de savoir s'ils peuvent s'entendre avec tout le monde, leur disponibilité, surtout, et le fait qu'ils arrivent, en fait, à se rendre disponibles un maximum pour les streams, parce que faut arriver quand même à assurer les streams... Les streams que je fais, quoi. Surtout quand il y a des gros streams où il y a du monde, genre les streams sur Barbie, etc., tu vois. Et donc, souvent, c'est beaucoup de feeling. La récurrence aussi sur le chat, genre si c'est des personnes, tu vois, qui viennent très très souvent, qui savent déjà un petit peu comment ça fonctionne et tout, bah c'est toujours un avantage, un plus. Mais après, c'est vraiment les disponibilités, le feeling avec les autres les horaires aussi. J'en ai 24 sur 30. Et après, c'est l'harmonie avec les autres, l'équipe et tout, l'esprit d'équipe et tout. Je trouve ça hyper important, tu vois. Et le fait qu'il soit aussi majeur. Je ne prends pas de mineur, par exemple. Généralement, les modos, c'est les personnes qui donnent le plus d'argent à Sissou, les emprisonnent en quelque sorte. Ah oui. Psychologiquement, pour qu'ils ne partent jamais. Et elle les dépouille de tout leur oseille. Ouais, c'est ça. Exactement. Je suis la voleuse originelle. J'enferme mes modos dans une cave et ils ne ressortent plus jamais. Et après, ils meurent de faim. Et c'est tant pis pour eux. Faut pas le dire. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. C'est juste que bah, je peux pas monter ici. Je suis deg. Voilà, donc si vous voulez, si vous avez de l'oseille, n'hésitez pas à postuler. Bah là, je recrute pas. Là, on va avoir un nouveau modo qui va arriver vendredi. Vous allez découvrir qui va être formé et tout, mais voilà. On a besoin de monde aussi. Ceci explique cela, MDR. Non, non, mais en vrai, souvent, c'est beaucoup de feeling et c'est souvent aussi la récurrence, les disponibilités, la maturité, le fait aussi de pouvoir psychologiquement... En fait, il faut aussi que j'ai des modos qui arrivent à supporter la pression
qu'il y a dans le chat. Parce que tu peux tomber malheureusement sur des viewers qui sont malveillants, qui sont pas très sympas. Alors c'est pas des viewers de la commu, mais j'ai un exemple, KitKat s'est déjà fait insulter dans le chat par des gens complètement random qu'on a bannis, mais en mode gratuit. Faut arriver aussi psychologiquement à supporter le fait que des fois t'es un chat surexcité, que t'es des connards aussi, et t'as des modos qui peuvent pas, enfin des gens qui peuvent pas supporter ça, tu vois, psychologiquement c'est pas forcément facile. Et faut aussi arriver à prendre les bonnes décisions, à être le plus juste possible, mais très souvent je vous dis c'est le feeling, les dispos. Là en ce moment je cherche des modos, enfin dernièrement quand j'ai postulé j'ai cherché des modos qui étaient très disponibles pour 18h, qui pouvaient aussi remplacer Barquette qui va accoucher. Voilà, il y a plein de paramètres comme ça, il y a aussi la maturité, il y a aussi le fait de bien s'entendre avec le reste, quoi. Je me répète mais c'est ça. D'où la magnifique commande modo. C'est ça. Je crois qu'il faut acheter les récompenses d'outils dans les Milesnook pour l'échelle. Des récompenses d'outils? Attends, déjà, je vois si j'ai pas... Mais tu en as pris deux, c'est ça? Ouais, j'en ai pris deux, et là, je vais avoir une nouvelle personne. Vous me les bannez. Je vais avoir une nouvelle personne vendredi, parce que Barquette, en fait, part en congé mat, mais même dans sa vie et tout machin, et en fait, elle va plus du tout venir modérer pendant un moment, et en fait, il faut que ça tourne un maximum, comme j'avais déjà expliqué. Merci Neftilia pour le follow, bienvenue. Ouais, va y avoir un troisième. C'est ça, va y avoir un troisième parce qu'on en a besoin en fait. La team de Modo tourne pas assez, il faut qu'elle arrive à tourner un maximum. Salut Aurore, comment tu vas? Elle prend son congé maternité de stream. Oui, c'est ça, un petit peu. Et merci du coup pour le follow encore, Neftilia. Au Nookstop, yes, on y va. Donc, ouais. Donc souvent, c'est choisi aussi par la récurrence sur les lives parce que quand t'as aussi quelqu'un qui est très souvent là, qui connaît bien le mode de fonctionnement et qui supporte le chat, mais du début à la fin et tout, c'est tout bénef aussi. Voilà. Ok, attends. Donc, bienvenue dans le Nook Stop. Yeah. C'est dans le Nook Shopping. Coucou, l'échelle, tu la débloques plus tard avec les trois parcelles des eaux, je t'ai spoil. C'est pas grave, j'ai posé la question. Il y a des trucs grave stylés, hein. Mon binôme est enfin arrivé. Mais oui! Aurore, je vais avoir un habitant qui va s'appeler Aurore, d'ailleurs. Combi de plongée? Bah ça, j'ai pris, du coup. Tu vois? Et après, pour le reste, j'ai pas. Tapis, sac de clochette. Oh my. Et nous supporter n'est pas une mince affaire. N'est-ce pas les modos, vous êtes les meilleurs MTR. Mais non, mais en vrai, quand je dis supporter le chat et tout, je parle d'un point de vue d'ensemble. Tu vois. C'est important de psychologiquement pouvoir se dire, ok, il y a du monde, je dois répondre à des questions, je dois mettre des commandes, je dois faire des prédictions, je dois faire des sondages, voilà, et venir aussi sur les streams dès qu'on le peut et tout. Enfin, tu vois, c'est pas évident, je vois tout. Mais je sais, toi tu dis que t'es pas là, mais t'es là tout le temps. Coucou Nezu, comment tu vas? Je suis une star. Ça va Aurore, les chevilles, tu te sens bien? KitKat, elle dit qu'elle est pas là, elle est tout le temps là. Coucou, tu peux venir chez moi, je te donne plein de choses. Je peux pas, malheureusement, me déplacer chez les gens pour le moment. Guide du panel d'outils. Je l'ai celui-là. Je l'ai déjà. Le vieux pneu, du coup, on peut faire un truc. Le sol, d'ailleurs. J'ai pas testé. J'ai rien fait avec le sol. Non, supporter, il y a porté. Et vu la lourdeur de mes blagues. Oh non, ça y est. Appliquer au sol, c'est quoi? Poser à l'horizontale pour voir. Il est trop beau! Et poser à la verticale. Attends, parce que j'échange, du coup. Il est grave beau. Oh, eh, il y a déjà un luxe, hein. Non, mais c'est comme moi. Je dis que je suis pas là, je suis quasi là. Ouais, je sais. Mais là, ouais, en fait, il a fallu recruter parce qu'on a besoin de renfort. L'équipe de Modo a besoin de renfort. J'ai fait quoi? J'ai appuyé sur un bouton. Je veux décorer mon chez-moi. Comment je fais? Je veux mâcher des choses. Je veux faire des trucs. Mes chevilles vont très bien. Je suis heureuse de l'apprendre dans ce cas-là. Heureuse. Je veux décorer ma maison, je veux qu'elle soit jolie, aidez-moi. Divers, déco murale, équipement. C'est quoi? Ouais. Fabrication. Tout. Non. Pan saisonnier.
truc là, franchement, ça c'est les outils. Mobilier, j'ai rien. Comment je fais? Je veux. Attends, stop. Où est mon truc immobilier, je sais pas quoi? Guide insulaire. Création. Attends. Carte, c'est dans quoi? Attends. J'ai des plans déjà, du moment que j'ai toujours mon rôle officieux, quand les modos font dodo pendant les sub-bâtons. Mais Sarah, tu as toujours ton rôle et tu as ta place. Ne doute pas de toi. Je te sens dans le doute en ce moment, ma petite Sarah. Je te sens t'excuser et être dans, beaucoup dans le doute. Tu sais qu'il faut pas, quand même, ma petite Sarah. Toujours, tu me suis partout, cuisine, salle de bain, chambre, salon, sortie, toutou. Et les toilettes, non? Ok, en gros, Tom Nook va te demander de placer 3 maisons et après, il te donne l'échelle. D'accord. Donc, mais il faut que j'attende, en fait. Au travail, fais voir. C'est pas là que j'ai tout le truc. Coucou, tu peux venir chez moi, j'ai des plans à te donner, des objets rares. Mais malheureusement, je peux pas me déplacer chez les gens encore. Non, mais c'est pareil, en fait. C'est exactement mon truc. Ah non, c'était pas pour les outils. Je peux pas me déplacer chez les gens. Je n'ai pas l'abonnement. Non, je veux pas te faire tomber dans les toilettes. Alors, je sais pas comment tu fais pipi, mais... L'approche de la trentaine, certainement, Sissou. Mais non. Sois positif, 30 ans, c'est rien, Sarah. J'ai 31 ans, hein. C'est tout dans la tête. C'est tout dans la tête, Sarah. Heureux avec un petit latte macchiato avec ce let's play tellement chill tout en jouant à Pokémon épée sur ma Switch Lite édition Perle Platine. Une sacrée soirée. Comment je fais pour avoir des nouveaux meubles? C'est que en allant acheter au Nook Shopping machin truc, je peux pas avoir des recettes? Si, descend en bas chez Dodo. Je te dis que j'ai pas l'abonnement. Je l'ai pas. Bonne soirée, Sarah. Attends. Attendez. Rembourser le prêt. J'ai mon épargne. Épargne. Bah, donne tout, en fait. Qu'est-ce que... Je clique pas. Je fais que appuyer sur B. C'est un enfer de faire comme moi. Montant maximum. Confirmé. On lui rembourse ça. Quoi? Je peux pas lui donner si je fais montant maximum. Ça ne marche pas? MacGyver, je connais déjà tout ça, merci. Ok, ça avait pas marché, je sais pas. Clochette en poche. Je vais en donner... J'en donne ou pas? J'en donnais 30 000. J'ai 81 000 clochettes. En vrai, vous savez que je peux rembourser mon prêt. C'est le crédit pour ma maison. Je rembourse tout ou pas? Je vais me retrouver sans argent. Non, 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 non. Attends. Non. Bah, let's go. Ouais, mais je vais galérer. Je vais galérer de fou. Appuie sur B, s'il te plaît. J'essaye. Ok, j'ai donné. Il me reste 52 000 clochettes à payer. C'est bien. Échanger des miles. Nook, Nook Shopping. C'est là où on peut trouver des meubles. Il n'y a que là. Lampe de jardin, nain de jardin. Oh, casquette, je m'en fiche. Kéké Bohème, c'est Mims. Bloc. Ah, mais c'est encore sur le thème de Mario, ça n'a pas changé. Il y a des trucs trop mimi. Il y a des trucs vraiment super choux. Regardez, une boîte d'eau séchée. C'est à bouffer, ça. Enveloppe Otoshidama. Kado Matsu. Et des Yutnori. Ok. Très cool. Mais pourquoi ça serait toujours sur le thème de Mario? C'est chiant, non? Je trouve, perso, que c'est chiant. Oui, je commence à peine mon île sur TikTok. Yes, yes, yes. Moi, je veux décorer plus de choses, mais j'ai l'impression que c'est pas... j'ai failli courir sur mes trucs. Vous savez quoi? On va faire un coup de pêche et on va s'arrêter là. Bah ouais, c'est grave chiant. Je suis d'accord.
Il y a une énorme araignée dégueulasse. C'est quoi ça? Salut Naomi. J'ai trop peur. J'ai trop peur. C'est quoi? C'était une mygale? Ah! C'est quoi? C'est une mygale? Qu'est-ce que c'était que cet enfer? J'ai eu trop peur. Je... évanouis, oui. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Une mygale, ça vaut super cher. Mais frère, depuis quand il y a des mygales dans ce jeu de fou, là? Ah! Non, mais ça veut dire qu'elle est encore avec ses grosses pattes quelque part, là. Vas-y, je vais la fumer. Je vais la capturer. Ah! Non, j'aime pas ces bêtes, là. T'as trop de chance. Comment ça, j'ai trop de chance? Je peux la retrouver ou pas, là? C'est mort, elle est partie? Ah, ça dégoûte, vos trucs. Je me suis fait fumer par une tarentule ou une mygale. Ou... Guir. Il y en a rarement, c'est comme les scorpions. Il y a des scorpions! C'est rare d'en trouver. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'en plus de m'être fait foudroyer par une tarentule mygale mutante, là, je ne la reverrai peut-être plus jamais. Salut, Gémeaux. Oh, il m'a fait peur, lui. Non. Bah non, du coup, je suis dégoûtée. En fait, j'ai couru trop vite. J'imagine qu'il fallait marcher tout doucement près d'elle. J'ai eu trop peur. J'ai crié et tout. Viens. Bah, j'imagine qu'il faut marcher tout doucement. Ah, je te jure, j'ai eu trop peur, là. C'est quoi? Une vandoise. Je crois qu'elle aime les framboises. Je sais pas si j'ai déjà donné au musée ça. Par contre, je sais pas du tout. L'île mystérieuse. J'en ai fait deux déjà, ouais. Salut Tania, bonne année à toi aussi. C'est ça, faut s'arrêter quand elle lève les pattes avant. Mais j'ai même pas vu, c'était derrière un arbre. Quand elle lève les pattes, c'est arrêter d'avancer. D'accord. Bah écoutez, je le saurai pour la prochaine fois. Là, j'étais un petit peu surprise, j'avoue. Salut Dawson. Ah, je l'ai raté. Mince, j'ai appuyé trop tard. Bouteille à la mer. Again, done. Faut arrêter de faire peur comme ça, pardon. Ouvrir. Mes meilleures idées me viennent lors de mes insomnies. J'en veux pour preuve ce plan de bricolage. C'est quoi? Tu me donnes... L'eau de piquet de tronc. Je crois que je... Ah, je le connais. Bah ouais, mais je connais tout. Ouais, du coup, je vais le lâcher, en fait. Tu pourras lui passer aussi à ta sœur. Lâche. Osef, du coup. On n'a pas une poubelle dans ce jeu. Alors, c'est con, hein, mais... Si on avait une poubelle, tu vois... Je cherche encore des poisses. T'es apparemment pas vraiment. Tu la revends à Mélo sinon. Tu parles de quoi, Cracra Nasia? Le poisson que je viens de pêcher? Attendez, ça m'agace. J'ai pas moyen de moyenner là. Le plan. Ah, ça se revend? Pas bête. Eh. C'est surfait les poubelles, go tout jeter dans la nature. Je le fais en vrai, alors imagine en jeu. Bah bravo, je te félicite pas. Elle touche pas le rocher. J'imagine que c'est parce que y a rien à y faire. Ça va, et toi, fan de Sissourine? Mais on s'est déjà parlé, de toute façon. Faut que je ramasse ce truc-là. Mais oh, je troll. Bah allez. Je vais m'arrêter là. Pour ce soir, je pense, les gars. Vas-y, attends. Juste lui, là. Merci, Zoz, pour le follow. Bienvenue.
merci, je vais m'arrêter, j'ai faim. Et merci grande Matmama pour le follow. Vous savez quoi, je vais vous faire une proposition. Est-ce que vous voulez que je fasse un live? Peut-être, c'est pas sûr. Parce que j'ai des trucs à faire quand même. Hein. Un live demain improvisé sauvage Animal Crossing. L'après-midi. Est-ce que vous êtes là? Ou est-ce que vous en avez absolument rien à battre? Parce que ce n'est pas dans le plan. Après, n'oubliez pas qu'il y a un sub-bâton. Hein. N'oubliez pas qu'il y a un sub-bâton quand même le samedi 13. Hein. Oui? Ok, ok. Ah ouais, il y a carrément un sondage et tout. Vous voulez qu'on refasse du ACNH demain? Meilleur anniversaire. Oh non, tu... Tu me prends par les sentiments, Sarah. Mais je sais pas quelle heure encore. Vous seriez dispo à quelle heure, le chat? Vous voulez venir à quelle heure? Ceux qui veulent voir Animal Crossing demain, vous voulez venir à quelle heure? Le matin, je peux pas. Ça, c'est sûr. Je peux pas. Peu importe. Peu importe. Je peux pas rester non plus jusqu'à après 18h. 18h, je dois partir. Donc en fait, ce sera entre... Le poisson, tu bouffes ou pas? Vers 15h? C'est bien 15h. Ou même 14h. Mais bouffe-le! Zut, j'allais te dire 5h du matin. Mais ça, c'est ce bâton, Loïc, quand même. À 16h. Ouais. De midi à 16h? Midi, c'est compliqué. À partir de 14h, peut-être. 15h peut-être, ouais. Je peux pas 13h. 16h, je suis sûre d'être là. Bah au pire 15h, hein. Mais même si y a pas de modo au début, c'est pas grave, hein. C'est un live complètement improvisé. Bah écoute, après je suis occupée moi, c'était ma seule disponibilité. 14-17. Je vais faire plutôt 15. Je réfléchis. 15-18, je pense. Je vais faire 15-18. Ouais. Je serai probablement déjà en tenue de sport du coup pour partir après. 15h, j'ai un rendez-vous, ma Sissou, c'est juste pour éviter que tu sois seule. C'est pas grave, Safi, si je suis toute seule, j'assume, hein. Merci, Sofixou, pour le follow, bienvenue. J'assume, hein. Je décide de faire des lives sauvages imprévus au bataillon, pas à mes heures, entre deux rendez-vous et du taf. Quand tu vas dans ta bébétopédie, tu peux savoir si tes poissons ou insectes sont au musée. Ah, c'est bien ça, Tsuki. Je serai là, moi. Je serai là à 15h? Ok. Ça marche, la fan de Sissourine. Bon, bah, ok. Bah, on se dit ça. Je m'arrête pour ce soir. Je peux sauve... Attends, comment je sauvegarde déjà? Non, c'est pas là. Je sais plus. Comment qu'on fait? Attends. Vous serez là? Ok. Mais ce sera peut-être pas long, hein.